15, donc Maire va nous rejoindre dans quelques courts instants. Monsieur Mathieu Gagé, qui est le maire de Saint-Quentin-Falavier. Roger Queneau, qui est le président du... Cyril, nous sommes en place pour le tirage au sort. Hein. Donc nous avions dit 14h15, il est 12. Donc pile poil.
est lui arbitre national. Voilà, donc 14h15, vous savez, la ponctualité est quelque chose qui nous tient à cœur, donc avec Noéline pour la Ligue 1, Monsieur Gagé, maire de Saint-Quentin-Falavier, Monsieur Sbalquero pour la Fédération française de sport boule, il est conseiller auprès de Bernard Dobard, le président, et Monsieur Queneux, qui est président du boulodrome de Saint-Quentin-Falavier. Donc, dans ces boules jaunes, les 16 villes de la Ligue 1. Et ici, nous avons 4 tickets numéro 1 du groupe 1, 2, 3 et 4, avec des positions A, B, C et D. A contre B, donc à la première partie à Cavalère, puisque c'est l'étape 6. Et ensuite, le logiciel nous donnera la suite des tirages au sort. C'est à vous. Donc, première ville de ce tirage au sort. Team Montceny, Plaine de Lain. Et Émile Terrier qui nous a rejoint. Donc, la Plaine de Lain, leader du classement général. Roger. Dans le groupe 3A, on continue. Génicieux, la team Wolfeux. Brigitte, c'est bon. Donc Génicieux dans le groupe 4. Ah. Team GDP Gobertier, Annecy. Roger. Attention, c'est lourde charge. Annecy, groupe 2, position C. Team EB, joyeuse. Où nous serons lors de l'étape 7. Groupe 3, position C. Pour joyeuse. Le team SB Thermique Aix-les-Bains, qui a fait un beau parcours dans ce week-end de Saint-Quentin-Falavier, 2 victoires. Groupe 3D pour Aix-les-Bains, qui jouera donc contre joyeuse lors de la première rencontre à Cavalère. Team Algis Nettoyage, Bron. Groupe 1, position B pour Bron. La team Super U, la mode Servolex. Groupe 4, position C. Team Rivoli Promotion Saint-Vulbas. Groupe 2, position A. Oui.
Le team Boule d'Or, Nice. Groupe 2, position B. Donc Nice contre Saint-Vulbas. Première partie à Cavalaire. Team orthodoxie Crolion. Groupe 3, position B. Donc Crolion, un gros match, hein. Crolion contre Plaine de Lin. Partie inaugurale à Cavalaire. Team VCF, Bourg-Saint-Andéol. Le groupe 2, position D. Donc le groupe 2 est complet. Saint-Vulbas contre Nice, Annecy, Bourg-Saint-Andéol. Premier match à Cavalaire. Team GMP Saint-Michel-de-Maurienne. Groupe 4, position B. Saint-Michel-de-Maurienne. Donc c'est Maurienne-Galibier contre Génissieux. Team Serfim, la Côte-Saint-André, groupe 1, position A. La Côte-Saint-André contre Bron. Team Samsé, Lagneux. Groupe 1, position D pour Lagneux. Acnis International, Fontaine. Groupe 4, position D pour Fontaine, qui jouera contre la Motte Servolex lors du match inaugural à Cavalaire. Et donc, il nous reste la position 1C, team T2M, Genlard, groupe 1, position C pour Genlard. Donc, dans le groupe 1, la Côte-Saint-André contre Bron et Genlard Lagneux, groupe 2, Saint-Vulbas contre Nice et Annecy Bourg-Saint-Andéol, groupe 3, Première partie à Cavalaire, hein, donc. La Plaine de Lin face à la Crolion et Joyeuse contre Aix-les-Bains est dans le groupe 4. Génissieux face à Maurienne-Galibier et la Motte Servolex contre Fontaine. Roger, merci beaucoup. Joseph, monsieur le maire, Noéline, merci de votre aide et de votre participation. Mise en jeu des demi-finales et des parties de classement à 14h30. 8 minutes. Retour au boulodrome de la Halle des Sports de Tarabie. On est à Saint-Quentin de Falavier en Isère pour cette fin deuxième partie de cette dernière journée. On va arriver dans le Money Time et du coup eh bien, Nathalie Bernard nous a rejoint. Merci Nathalie d'être avec nous, de nous rejoindre. Je sais que vous avez suivi à distance les trois premières parties de groupe. Ça a été très très serré pour déterminer les quatre demi-finalistes. On va d'ailleurs suivre les demi-finales dans quelques instants.
on le sent, hein, y a des équipes qui reviennent de plus en plus hein, chaque week-end. Oui, bonjour Cyril, bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Oui, oui, j'ai suivi ça de loin. D'ailleurs, en suivant de loin, j'ai même été surprise finalement en arrivant ici de la demi-finale, puisque j'avais entendu que c'était la Motte et finalement c'est Plaine de Lin qui est là. Alors Jean-Claude nous expliquera pourquoi juste après. Oui, c'est très serré, hein. On voit des très belles parties, on l'avait déjà dit à Chazelle. Là, on voit que Annecy, ben, finalement un petit peu vexé, reviennent dans le jeu, donc c'est bien. Nice, ben, on les attendait, ils sont là, et l'accro toujours présent, et la team toujours présente. En fait, il n'y a pas de surprise, quoi, quelque part. Hein. Si ce n'est le grand perdant du week-end, c'est quand même Genelard, hein, oui. Parmi les cinq de tête. On va, en effet, vous l'avez dit, et ça c'est important avant de se lancer sur ces demi-finales, expliquer pourquoi Jean-Claude Ferriol, eh bien, c'est finalement l'équipe de la Plaine de Lin qui s'est qualifiée au détriment de la Motte Servolex. Oui, effectivement, il y a un point de règlement qui est à préciser là pour tout de suite, puisque on a fait une annonce un petit peu rapide ce matin. On vous amène cette précision là. En fait, en cas d'égalité de deux équipes, celles-ci sont départagées par l'opposition directe. D'accord. Si l'égalité concerne trois équipes, ce qui était le cas ce matin, celles-ci sont départagées au collavérage général. Puis au nombre de points marqués. Voilà. Et donc au collavérage, les deux équipes étaient à égalité. On était partout. Du côté de la Motte Servolex, on pensait que finalement, ça allait être du coup la confrontation directe qui allait, ouais, qui allait valoir. Et finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les points marqués qui font la différence à un moment donné. Et les points marqués, eh bien, sont à l'avantage de la Plaine de Lin. Autant dire que du côté de la Plaine de Lin, on s'était déjà préparé à jouer des matchs de classement. Et on était finalement heureux de se retrouver en demi-finale. Et cette équipe de la Plaine de Lin va disputer une nouvelle demi-finale. Et ça va nous faire une confrontation exceptionnelle, même si on aurait évidemment été très heureux de commenter la Motte Servolex. La confrontation qu'on va suivre, c'est tout simplement le nouveau leader du classement général face à l'ancien leader. À l'ancien leader, voilà, tout à fait. Donc je pense que vous allez assister à une belle rencontre. Hein. On sait que Annecy est capable de produire du beau jeu, du grand jeu. Et puis la Plaine de Lin, on a vu le week-end dernier hein, qu'ils étaient tout à fait capables aussi de rivaliser avec Annecy. Donc on devrait prendre énormément de plaisir cet après-midi. Oui, on va suivre évidemment ça de très près avec la composition des équipes. Avant ça, on va se revoir le petit programme de cet après-midi, de ce samedi après-midi, de ce qui nous attend dans cette seconde journée. Les demi-finales donc à suivre en direct streaming, partie de classement également, on vous tiendra informé. Puis à 18h la finale qui sera à suivre sur l'application de Sport en France, on vous le rappelle, hein, pas sur la chaîne Sport en France, mais sur l'application que vous pouvez avoir sur vos smartphones, sur vos tablettes ou également sur le site internet www.sportenfrance.fr. Elle sera rediffusée cette finale sur la chaîne de Sport en France ce soir à 23h30 et lundi 8 avril à 21h. Donc pour suivre en direct cette finale, n'hésitez pas à regarder déjà si vous avez bien compris où était l'application Sport en France, si vous avez le bon chemin pour pouvoir suivre, être avec nous à partir de 18h en direct. Un point sur les quatre demi-finalistes. On va commencer par le match qu'on va suivre entre Annecy et la Plaine de Lin. Annecy s'est qualifié en remportant ses trois matchs de groupe. Victoire face à Maurienne-Galibier 11-3, victoire face à Lagneux 13-1 et victoire 10-3 face à Aix-les-Bains. Annecy qui a fait le plein de points, 12 points plus 4 points en raison de son parcours sans faute. Annecy donc sera opposée à la team d'Olivier Monceny qui elle a remporté deux matchs, victoire sur la Côte-Saint-André hier soir et victoire sur Fontaine 12-6 dans la dernière partie. La Plaine de Lin qui s'était inclinée en début de matinée 10-6 face à la Motte Servolex. L'équipe d'Olivier Monceny donc a récolté 10 points, 8 points en raison de ses deux victoires plus 2 points en raison de sa première place, 10 points donc à l'issue de cette première phase. Dans l'autre demi-finale, parcours sans faute pour Lyon qui a remporté ses 3 matchs de poule dans le groupe 4 face à Bron 11-8, face à Genelard 10-5
et face à Joyeuse. Vous avez pu le suivre tout à l'heure en direct. 13-4, 16 points donc récoltés également, comme pour Annecy, pour les Lyonnais. Et enfin Nice. Nice qui a remporté deux victoires, larges victoires face à Bourg-Saint-Andéol hier soir, 13-2. Victoire ce matin 13-1 face à Génissieux et défaite 8-11 en fin de matinée face à Saint-Vulbas. Nice donc qui a récolté comme la plaine de l'Ain 10 points. Autant dire que les 4 équipes sont au rendez-vous, ces 4 équipes sont au rendez-vous de ces demi-finales. On le disait, Jean-Claude Ferriol, la mauvaise opération dans cette course au titre, elle est pour Roger Nollard. Oui, Nollard qui marque un petit peu le pas là, sur cette étape. Ils étaient crédités d'un très très bon début de championnat. Ils le sont encore, mais cependant, comme leurs rivaux sont passés ce week-end-là, eh bien oui, ça va leur faire prendre un tout petit peu de retard. Ouais, ils vont sans doute, Nollard, rétrograder au classement. Ils sont déjà dépassés par Nice, ils vont peut-être être rattrapés par, en tout cas, voir Saint-Vulbas se rapprocher. Saint-Vulbas qui va jouer les matchs de classement après avoir Saint-Vulbas remporté deux victoires, si je ne dis pas de bêtises. Oui, deux victoires à Saint-Vulbas. Victoire face à Bourg-Saint-Andéol et face à Nice, 8 points de marqué. Peut-être un dixième, ça permettrait aux Vilibadois de se rapprocher de Genelard, de venir peut-être à deux points de Genelard. Ça nous ferait un rapprochement en tout cas dans les six premiers du classement. Voilà, on n'aurait plus cinq équipes, mais finalement six équipes assez proches en haut de tableau. Allez, on va s'intéresser à la composition des deux équipes. On aura également peut-être dans quelques minutes le maire de la formation, le maire de la ville de Saint-Quentin, Falavier, qui nous rejoindra. Mathieu Gaget. Oui, alors pour Annecy, donc Annecy qui joue en blanc. Donc en pointeur tête, on aura Pascal Persico. En pointeur en second, on aura Jérôme Benoît. En tireur de tête, alors je ne sais plus qui tire de tête. Je crois que c'est Jérémy Micou. Et en tireur en second, c'est Grégory Chira. Et puis pour l'équipe de la Team Montsny Plaine de l'Ain, donc l'équipe bleue. Alors l'équipe bleue avec une petite mise au point qui n'est pas bleu canard mais bleu turquoise. Oui, vous avez écouté. Voilà, j'ai dit à Olivier, je le dirai, je me suis trompé la semaine dernière. Vous vous trompez alors de temps en temps quand même. Ça arrive. Et celui qui fait rien qui se trompe pas. Donc voilà. Donc côté Team Montsny, donc en pointeur tête, on aura David Pirou, où on se rappellera de la performance exceptionnelle de David à Chazelle lors de la finale. Puis après on aura Gérard Condreau en pointeur en second, en tireur tête, eh bien, on aura le jeune Mathieu Vercher. Et en tireur en second, on aura Thierry Michel. Avec la possibilité pour Olivier Montsny et Sébastien Bourg d'entrer en cours de partie si besoin du côté d'Annecy. La possibilité pour Christian Berthet. Tout à fait. De venir aider ses partenaires. On rappelle que dans cette équipe de la Team Montsny, de la Plaine de l'Ain, Sébastien Bourg était blessé lors de la demi-finale et la finale à Chazelle-sur-Lyon. Et il est revenu ce matin en fin de matinée, Sébastien Bourg. Il a joué deux parties. Et là, il a cédé sa place. Finalement, il sera remplaçant pour ces demi-finales. Oui, il ressent encore quelques douleurs là, à son genou suite à la chute qu'il a eue sur cette dernière étape. Et on va vous tenir au courant, évidemment, de l'autre demi-finale. Tiens, Nathalie, un point sur la composition des deux équipes entre Lyon et Nice. Oui, alors pour Nice, en pointeur tête, on aura Manu Bilon. En pointeur en second, on aura Sébastien Belay. Et puis après, en tireur tête, on aura Sébastien Léva-Marcon. Et en tireur en second, Romain Garcia. Voilà, pas de surprise non plus Nice, pardon, excusez-moi. Finalement, je suis peut-être pas si bien réveillée que ça. Et puis du côté de l'Acro-Lyon, on aura donc Jean-Luc Bertrand en pointeur tête. Après, on aura Eddy Chemarin. Et puis en tireur de tête, on aura Patrick Alcaraz. Et puis notre exceptionnel Xavier Majorel en tireur en second. Et vous pouvez suivre également les parties de classement, vous le voyez, qui opposent Aix-les-Bains à Lagnieux. Aix-les-Bains à Lagnieux, Fontaine à la Motte-Servolex, Saint-Vulbas à Génissieux et Bron à Joyeuse. Saint-Vulbas, bon, n'importe quoi, je vous ai dit. On reviendra sur cette lecture des parties de classement. Aix-les-Bains, Fontaine, Saint-Vulbas, Bron,
Lannieux, Mode Servolex et Génicieux Joyeuse. On va y arriver, c'est un petit peu difficile. Il va falloir se relancer. On est dans la dernière partie de cette cinquième étape et on va suivre évidemment eh bien, cette affiche entre Annecy et Plaine de Lain. On aura un œil également sur Nice-Lyon. Les scores, on va les remettre à zéro dans quelques instants. On va tous se remettre. On va faire un petit reset pour tout le monde. Tout à fait. Et on est parti. La première erreur pour Mathieu Verchet. Oh, c'est même la deuxième. Deuxième c'est, erreur. Ouais, ouais. Deux trous de Mathieu pour démarrer cette demi-finale. Qui a connu une matinée difficile, Mathieu Verchet, notamment lors de la défaite contre la Mode Servolex. Il était sorti en cours de partie, remplacé par Sébastien Mour. Je ne crois pas qu'il soit rentré lors du troisième match de poule contre Fontaine. Non, il n'était pas présent. Et il retrouve une place de titulaire. Il faut se remettre hein, dedans. Et quand on reste sur un échec en match de poule, il faut se relancer. C'est un jeune joueur. Oui, tout à fait. Et puis bon, il était sur un échec. Il est resté assis pendant un long moment. Donc il faut le temps de se remettre dedans. Et puis c'est la partie après le repas. Donc pas toujours simple. David Pirou, qui avait été énorme, que vous aviez placé dans votre... équipe type hein, de l'étape de Chazelles-sur-Lyon, Nathalie. Tout à fait. David Pirou avait été vraiment énorme. D'ailleurs, il a été reconnu meilleur joueur de la finale. Hein, donc, c'est pas pour rien. Mais si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a eu deux boules fautes sur toute la partie, dont une boule de rajout. Donc, on va dire juste une boule faute, une boule où il n'a pas repris. Donc, vraiment... une grosse finale de David Pirou. Oui, je crois qu'il est, il est tout simplement avec un 20 sur 21, 20 sur 22, donc simplement une à deux boules fautes. Et il le prouve d'ailleurs encore là sur cette début de partie, c'est déjà repris pour lui. Et là, c'est tapé pour Greg Chira qui est énorme au niveau des stats depuis plusieurs étapes. Ça n'a pas forcément souri pour son équipe, mais il a terminé meilleur tireur des deux dernières étapes. Hein, Greg Chira. Oui, c'est pas une surprise. Hein. Greg Chira, c'est un très très bon tireur. Hein. C'est un très bon pointeur aussi, mais c'est un excellent tireur. Il a repris d'ailleurs la première place du classement général des tireurs à l'issue de la quatrième étape avec 84% de moyenne. 200 sur 232, il était. Il va sans doute faire monter encore un peu plus ses stats à Saint-Quentin de Falavier. David Pirou. C'est repris pour David Pirou. On va regarder quand même, on va vérifier. C'est un peu derrière par rapport à sa première, il est un petit peu fort. Donc c'est repris. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose, voilà. Mais suite à la mesure de Thierry Michel à l'aide du 50, c'est bien repris. Greg Chira pour son deuxième tir dans cette main numéro 1. On est parti pour 2 heures ou au meilleur des 13 points. Voilà, c'est frappé à nouveau pour Greg Chira. Il commence fort, Greg Chira, 2 sur 2. Voilà, autour de Gérard Condreau de faire aussi bien que son partenaire. Alors dans la partie qui nous concerne directement entre Annecy et la Plaine de Lain, on vient de voir réaliser un appui magnifique de la part de Jean-Luc Bertrand là, qui vient de s'appuyer sur la boule de Sébastien Belet. Malgré tout, toujours la boule d'avance hein, pour l'instant pour Annecy, mais cette boule au chaud pourrait peut-être renverser la situation. Deuxième boule pour Sébastien Belet. Sur Nice-Lyon. Hein, Sur Nice-Lyon, oui. Gérard pour nous, l'image. Pour Gérard. C'est repris. Il s'est appliqué également. Gérard Condreau évidemment. Et c'est Jérémy Micou qui va prendre la relève de Grégory Chira. Jérémy Micou qui était à 6 sur 7 au tir ce matin.
face à Aix-les-Bains. Voilà, c'est frappé pour Jérémy. Cette formation anécienne est en mission. Jérôme Benoît nous l'a confirmé ce matin. Ils ont envie de frapper du poing sur la table après deux étapes où ils n'ont pas pu rejoindre les demi-finales. Oui, bah, j'imagine. Hein. De toute manière, on est premier au classement et puis on passe un petit peu à travers sur les deux étapes suivantes. On a à cœur de vouloir revenir et de revenir titiller les premières places. Les trois dernières étapes même, hein, ils ont été à chaque fois aux portes des demi-finales. Et ils ont du coup perdu leur première place à l'issue de l'étape numéro 4. Gérard Condreau, qui jouait sous les couleurs d'Annecy lors de la première édition de la Ligue Sport Boulémain. Oula, elle va être limite cette boule et elle va être parfaite surtout. Elle va être super belle. Ah ouais, elle est parfaite. On avait l'impression sur ce plan, c'est vrai qu'elle allait sortir du jeu. Exactement, ça a titillé le long de la ligne là-bas. Mais les quatre boules de Plaine de Lin finalement ont titillé la ligne de perte, mais elles sont toujours restées dans le jeu. Et c'est frappé à nouveau pour Jérémy Micou. Allez, c'est Thierry Michel maintenant qui va pointer. Ça me paraît encore pas mal. Voilà, c'est repris à nouveau pour Thierry Michel. Et du coup, c'est le pointeur en second qui va aller tirer Jérôme Benoît. Jérôme qui réalise jusqu'à maintenant une étape magnifique, hein, puisque hier, toute l'équipe d'ailleurs d'Annecy nous a crédité de performance XXL, il n'y avait pratiquement pas de faute au tir, et notamment 4 sur 4 pour Jérôme Benoît, ou 5 sur 5. Donc il est revenu et a envie de bien faire, il nous l'a dit récemment. Oui, voilà, Jérôme revient après une longue absence aussi, hein, de blessure. Il a très très envie de retrouver son niveau. Et s'est frappé tout de suite. Bien appliqué, Jérôme Benoît. Allez. On sera en coup pour coup, hein, dans cette passe, hein, hormis les deux petites fautes de Mathieu Bercher. Là, toutes les autres boules ont compté. On flirte avec la ligne. Non, celle-ci un petit peu moins. Ah, ça n'a pas réussi. Celle-ci, elle est retombée un petit peu sur la gauche. Dommage, elle avait la bonne force. Et du coup, Pascal Persico va avoir une boule de rajout. Allez, Pascal Persico. Annecy qui a la boule qui est bien montée. Oula, qui va. Et celle-ci, par contre, elle n'est pas restée dans le jeu. Un petit peu trop engagée là-haut sur la droite. Je ne sais pas si c'était nécessaire là pour rajouter de l'engager autant. Mais bon, il a peut-être eu peur de retomber aussi, comme Thierry Michel l'a fait sur la boule auparavant.
Allez, encore une chance de rajout et c'est Jérôme Benoît qui va le tenter. Ah, c'est peut-être un peu court pour Jérôme Benoît là. Je sais pas. A voir. Allez, on va suivre le score de cette première main. On la revoit, cette dernière boule de Jérôme Benoît. Est-ce que c'est 1 ou 2 pour Annecy ? La réaction de Pascal Persico, je dirais peut-être 2. Alors on attend, évidemment, tout le monde attend, même le speaker. La confirmation, oui, tout à fait. Attend de savoir si c'est plus 1 ou plus 2 pour Annecy pour ouvrir le score dans cette demi-finale. Le score est en revanche toujours de 0-0 entre Nice et Lyon. Voilà, 2-0. Vous aviez bien senti le coup, Nathalie. 2-0 donc pour Annecy qui démarre fort ces demi-finales. Nice et Lyon pour l'instant 0-0. Deux équipes Annecy et Nice qui sont revanchardes dans cette, en tout cas ambitieux surtout, dans ces demi-finales. Plaine de Lin et Lyon espèrent confirmer leur belle période après leur finale. Ils aimeraient bien peut-être se retrouver un peu plus tard dans la soirée. On n'en est pas encore là. Non, visiblement c'est Nice qui a ouvert le score. On attend la confirmation, mais c'est Nice qui a acheté le but. C'est Manu Bilon qui va aller pointer. Nice qui n'a pas de remplaçant pour ce week-end. Non. Ils sont venus à 4. Non, Fred Asensi, toujours blessé. Didier Abrat n'est pas là. Donc on a vu une première boule de Pascal Persico. Jolie, mais un peu derrière. Donc David Pirou va aller tenter la reprise. Une boule qui est à peu près à 50 derrière. Et voilà, c'est encore fait pour David Pirou. La reprise, ouais. Là, pour David Pirou, effectivement, là, je pense qu'on va avoir un match de titans là, en voyant les deux pointeurs qui s'opposent directement entre Pascal Persico et Jérémy et David Pirou. Là, ça, je crois que là, il va y avoir du très très haut niveau entre ces deux personnes là. David Pirou est un très bon pointeur, mais Pascal Persico est un des meilleurs pointeurs de France. Et ça fait quelques années que ça dure. Oui, c'est ça. Ouais, ça va être le match dans le match. Là. Tout à fait. Sacré à deux reprises Pascal Persico dans ses sports boules et mains. En 2019-2020, sous les couleurs de Rumilly. En 2022, sous les couleurs d'Annecy. Il avait terminé également quatrième premier pointeur en 2019-2020 au classement. Il avait terminé la saison dernière également premier au point avec un total de 82%. Voilà, sans les stats, on le savait, mais avec les stats, c'est vraiment confirmé. C'est confirmé. Voilà. Donc Greg Schira a tapé la boule de David Pirou et est resté dans le jeu, il me semble. Il a fait un petit carreau. Allez, deuxième boule de David Pirou. Va peut-être falloir tirer un peu dessus. On ne voit pas le but. Ah oui, il a fait un carreau, mais il a enlevé la boule de Pascal Persico derrière. Donc ça change pas grand-chose. Sauf si, David n'a pas repris par contre. Là, c'est dommage. 1-0 pour Nice, vous l'voyez, face à Lyon dans les matchs de classement. Lannion ouvert le score face à la Motte Servolex 2-0. Saint-Vulbas ouvert le score face à Bron 1-0. Après, la boule de David... Elle est pas moche, elle est jolie, elle demande qu'à rentrer. On ne sait jamais si Gérard Condreau l'accroche un peu. Et d'ailleurs, à ce titre, on les a vus faire. Ils ont regardé ce qui manquait simplement. Bien sûr. Parce que ça va être leur jeu d'essayer d'avancer cette petite boule où il ne manquait rien du tout. Oui, tout à fait. On a le gaucher de service là qui va faire le nécessaire peut-être. C'est bien.
Hop, le saut qu'elle a fait. Ouais, mais bon, voilà. Ça suffit peut-être pour rentrer à deux. Il a repris déjà. Prêt à savoir s'il en manquait beaucoup ou pas. Pouf, on revoit le saut au ralenti. C'est assez, ces images saut, sont magnifiques. Ouais. Pouf, trois fois. En fait, chaque fois qu'elle va passer, elle va sauter. Hein. Allez, Annecy de jouer, Greg Chira. Voilà, alors ils se sont baissés, ils ont mesuré. On n'a pas le résultat de la mesure. Mais bon, cette boule est belle, donc quoi qu'il en soit, on va aller tirer. On ne va pas prendre le risque, au cas où il n'y en ait pas deux, d'en rajouter un deuxième. Greg Chira, concentration. C'est à nouveau frappé. Alors, verdict. Bah, visiblement, Gérard avait fait du travail, puisque c'est Annecy qui retourne jouer, donc ça veut dire qu'il était bien rentré à deux. Ouais, le bec a été favorable. Ouais. Il manquait pas grand-chose. On l'avait vu juste avant. Et ils avaient vérifié avant que Gérard joue sa boule. Et le fait de l'effleurer, de lui faire quelques centimètres, on suffit. Pascal Persico qui va essayer de reprendre au point. Alors pour le coup, on a vu, il a préparé sa donnée un petit peu le long de la ligne parce qu'il va devoir se donner un peu d'angle. Hein. La boule devant étant très au jeu, donc il va falloir. Il a choisi de jouer entre la boule et la ligne. C'est ça, il faut essayer de l'éviter, cette boule devant. Et visiblement, elle était vraiment bien au jeu, cette boule. Il n'a pas réussi à l'éviter. Après, peut-être le manque de force aussi, hein, qui fait que... Peut-être que s'il avait été un petit peu plus fort, il aurait réussi à passer. Du coup, c'est Jérôme Benoît qui va aller tenter la reprise. La reprise pour Jérôme Benoît, qui va mieux. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour Annecy avec ses problèmes de dos. Oh oui, ah, il est passé. Magnifique. Il a effleuré les boules de devant. Trajectoire parfaite. Voilà, il est vraiment passé au millimètre, mais il est passé là où il fallait, avec la bonne distance. Ça laisse quand même une boule d'avance pour la plaine de là. On va voir quelle annonce ils vont prendre pour que. Ouais, mais là il a dû toucher un peu le but et ça se trouve, voilà. Est-ce que ça a fait quelque chose, pas quelque chose? Ils sont en train de mesurer. Il ne devrait vraiment pas y avoir grand-chose entre la boule de devant et la boule de derrière, parce que j'ai pas eu l'impression que le but ait bougé tant que ça. Allez, Mathieu Vercher. Ah, il est encouragé par Gérard. Hein. Il a besoin d'être redopé un petit peu, Mathieu. Bien sûr, c'est un jeune. Hein. Bon, il n'a pas été très bon ce matin. Il démarre sa demi-finale avec deux trous, donc il a besoin qu'on le stimule un petit peu et qu'on le booste un petit peu, mais il peut faire confiance à ses partenaires et à l'expérience de ses partenaires pour le faire. Allez, Mathieu Vercher. Ah. Mais ça n'a pas suffi. Millimètre à gauche. Le millimètre à gauche, malheureusement pour Mathieu. Non, pour l'instant, c'est pas l'après-midi de Mathieu Vercher. Ça peut arriver, hein. Ouais. On peut être très bon. Jusqu'à présent, il a été très bon. Voilà, c'est peut-être pas son week-end, ça peut arriver. Hein. D'être peut-être un petit coup de fatigue, je sais pas. Seconde boule pour lui dans cette semaine numéro 2. Allez, il faudra frapper pour garder la boule d'avance. C'est ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui. C'est dommage, elle est tirée comme un soleil, elle est couverte. Elle est très bien tirée, hein, sa boule, hein. on peut pas mieux faire, quoi. Elle est juste un petit peu haute. Quoi. On se souvient, Jean-Claude, ce matin, Romain Garcia
Romain Garnier, pardon, qui avait eu un début de match compliqué pour Joyeuse. Oui, complètement. Les trois premières passes n'étaient pas à son avantage, hein, puisqu'il n'arrivait pas à se régler dans ce jeu-là. Et d'ailleurs, Joyeuse avait vite pris la décision d'opérer un changement. Là, je pense qu'on va laisser encore un petit peu Mathieu sur le jeu. Le carreau. Ça récupère un petit peu les trous de Mathieu. Alors, c'est beau ce qui vient d'arriver. Je ne sais pas si ce n'est pas le but qui lui a permis de faire un carreau en deux fois. Je pense, parce que... Regardez ce coup-là, il est assez exceptionnel, réalisé par Thierry Michel. Joli tir. Et c'est au rebond que le but l'arrête net. C'est ça. Voilà, pour le coup, le carreau va compter là. Ouais, voilà, ça récupère bien les deux trous de Mathieu. Puisque maintenant, pleine de là, et, deux points par terre. Hein. Deux points par terre, les boules de vent sont difficiles à éviter. Et le carreau de Thierry Michel est prêt derrière, il me semble. Tout à fait. Jérôme Benoît. C'est encore bien pointé hein, pour Jérôme. Hein. Bravo. C'est encore très bien pointé pour Jérôme. Ah, il nous régale, là. Il nous régale tous ces acteurs-là. Et Thierry Michel qui a pris ce poste de tireur en seconde depuis Chazelle et qui lui va à merveille hein, depuis deux étapes. Oui, bien sûr, mais Thierry Michel reste aussi un grand tireur, donc... Il suffit de dire ça généralement pour que l'inverse se produise. Prochaine fois, on dira rien. Ouais. Un peu court pour Thierry Michel et au tir. Là, pour l'instant, ça fait 3 sur 4 hein, sur cette main pour Plaine de Lin, qui est en retard à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va décider ? Est-ce qu'on une boule contre deux ? Est-ce que Gérard Condreau va aller tirer la boule ? Ils ont deux points par terre après derrière. On défend deux points. Reste debout là Annecy. Moi, visiblement, on va prendre l'option d'aller pointer. Dernière boule pour Plaine de Lin, pour Gérard Condreau. Qui, avec sa patte gauche, se place différemment par rapport à Jérôme Benoît, on l'a vu. Donc, c'est difficile de faire un appui parce qu'il vient de l'autre côté, en fait. Ils n'ont pas pris le même chemin. Hein. C'est ça. Bon, sa boule reste bien jouée. Elle est là, elle est prête, bien entendu. Elle est prête. Deux boules à jouer pour Jérémy Micou. ...5-0 déjà pour Lagneux face à la Motte Servolex. La Motte Servolex qui a sûrement pas digéré cette demi-finale qui lui a filé sous le nez. Sur un point de règlement. Oui. C'est dur après hein, de se remettre dedans quand on se voit en demi-finale et qu'on se retrouve en partie de classement. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Hein. On y croit, on espère et puis d'un seul coup, le coup prêt tombe et on dit bah non, finalement vous allez faire qu'une partie de classement. Pas simple à gérer. Du coup, on va continuer de pointer puisque il y a deux boules qui gênent là. La boule de Jérémy est partie un petit peu de l'autre côté. Allez, dernière boule de cette main pour Jérémy Micou. Allez, Jérémy Micou. Et il va échapper le jeu sur la gauche. Il ne s'est pas mis au même endroit que Jérôme Benoît, bizarrement. Et ça fera un point. Plus 1 pour Annecy qui mène désormais 3-0 dans cette demi-finale face à la Plaine de Lin. Ouais, et puis on voit, enfin vous voyez pas, mais nous on voit bien là sur le jeu, on va opérer un changement tout de suite hein, côté Team Monceny
Sébastien Mourgue va rentrer à la place de Mathieu Verchet. Ah, il y a des moments où ça va pas, il faut pas insister, hein, et puis c'est ça arrivera. Il faut le faire tout de suite, ça sert à rien d'attendre de toute manière, et puis après peut-être que Mathieu le sent pas non plus, donc. Allez, Olivier Monsty, vous l'avez à l'écran, le capitaine de cette équipe de la Plaine de l'Ain, qui retrouve Sébastien Mourgue, qui n'avait pas forcément très bien fini Jean-Claude Ferriol la dernière partie de groupe. Il s'en voulait d'avoir manqué un tir qui aurait pu être décisif, hein, mais au final, ça s'est bien terminé pour les Bleus de la team Monsty. Oui, ils l'ont emporté quand même. C'est vrai que Sébastien Mourgue aurait souhaité taper la boule qui lui était proposée, mais bon, il n'a pas réussi son tir. Gérard Condreau, malheureusement, non plus après coup. Bon, ils n'ont pas marqué, mais ils ont remporté cette partie, ce qui était suffisant pour se qualifier. Une belle première boule là, long du fil pour Pascal Persico qui. Ah, ouais, ouais. Là, je pense qu'on va. Ah bah du coup c'est Thierry Michel qui prend le tir devant. C'est le couteau suisse cet après-midi. Sébastien était parti pour y aller. Je crois que Gérard a dit non, on va peut-être envoyer Thierry. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Enfin, Sébastien n'a pas tiré encore. Il était assis dans les tribunes, il vient juste de rentrer. Voilà, c'est tapé pour Thierry. Pascal Persico va retourner au point. Petite demi-heure déjà d'effectuer. Pas d'écart définitif, hein, mais tout doucement. Et, cette équipe d'Annecy, elle est en train d'ajouter des mènes. Elle a remporté déjà deux mènes dans cette demi-finale. 1-0, vous le voyez, pour Nice qui a eu. Qui a à nouveau marqué. Ouais. On attend la mise à jour du score, hein, également entre Nice et Lyon. Qui a niveau marqué, et du côté de Lyon c'est pareil, hein, on n'a pas fait on n'a pas attendu 3 heures, Jean-Luc Bertrand est sorti et c'est Fabien Amar qui est rentré à sa place. Fabien Amar qu'on avait vu aussi à l'œuvre à Chazelle, et à chaque rentrée avait fait des entrées éblouissantes, on va dire. Il fait compter toutes ses boules. Là, on ne va pas s'embêter, en fait. David Pirou va jouer directement sur la boule de Pascal Persico, qui est le long de la ligne. Elle est vraiment en plein jeu. Même, hein. Elle est en plein jeu, mais bon, elle a 70 devant si t'as la force. 6-0 pour Nice face à Lyon. Ah, c'est parti très vite là pour les Niçois, qui, on le disait, hein, s'étaient inclinés. Contre le cours du jeu lors de la demi-finale à Chazelle sur Lyon. Ça avait été à une fin de main à suspense et qui avait laissé beaucoup de regrets chez les Niçois. Même les Lyonnais étaient presque à s'excuser de leur qualification pour la finale. Et on imagine que les Rouges et Noirs ont envie d'aller jouer cette finale. Là, c'est repris, hein, pour David Pirou, bon, un peu derrière. Mais ce qui est logique avec la boule de devant, de toute manière, il n'avait pas le droit d'être court. Mais bon, après, on lui demande de reprendre, il a repris. C'est souvent le cas, les boules de devant font jouer fort, assez régulièrement. Allez, Jérôme Denoy. Alors que lui est dans une position bien plus facile que David Pirou, hein, puisqu'il a la boule de Pascal devant, donc il peut céder de cette boule. Et ben même pas, il va passer à côté et du coup il va bien arranger la boule derrière. Et il a embarqué le but. Il a repris, il a embarqué le but et du coup la boule à David Pirou se retrouve jolie maintenant. Et on va voir Sébastien Mourgue. Non, ça va être tout, non, toujours c'est Thierry Michel. Thierry Michel. Ouais, Thierry Michel qui va rester au tir pour sa seconde boule. Il avait touché sur la première. Et il touche sur la seconde. On n'a pas bien vu. Si, il touche, mais il a eu le contre. Alors, à moins que la baguette, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est l'éclat du sable ou c'est lui qui est vraiment tombé? Non, c'est pas bon. Avant, j'ai peur que ce ne soit pas bon. Non, on est en train de remettre en non, place. Ouais. Non, c'est pas bon, malheureusement. Oui. 1-2 pour Thierry Michel. Et c'est Sébastien Mourgue
justement, là, qui testait un peu sa jambe. On l'a aperçu. Quelques petits mouvements, oui. Est-ce que ça va mieux? Ça grimace un petit peu quand même, hein, chez Sébastien Bourg. Frappé. Ouais, bravo. C'est bien pour la confiance, là, tout de suite. Oui, tout de suite de le faire. En plus, une petite boulatterie quand même. Hein, donc, Elle n'était pas facile. Il aurait pu avoir le contre. Exactement. C'était catastrophique. Donc, il s'en est bien sorti, là. Tout à fait. Sébastien Mour, qui avait été finaliste ici il y a 2 ans avec Saint-Vulba, l'équipe d'Albert Didona. Tout comme Thierry Michel. Du coup, on va aller tirer la boule à David Pirou qui est prêt quand même. Hein. On a les boules d'avance. Greg Chira. C'est frappé. Les stats de Greg Chira, Jean-Claude. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai 5 boules de tirer, 5 frappes pour Greg Chira. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, le rouleau compresseur est bien en place, on le voit depuis hier, ils sont crédités vraiment d'un niveau de jeu extraordinaire. David Pirou, je vous laisse bien regarder, hein, Jean-Claude Ferriol, puisque c'est vous qui allez nous faire le retour, hein, qui reviendrait sur cette étape, qui nous aurait la charge de nous donner l'équipe type de cette Ligue Sport Boulémain, que vous pourrez retrouver ensuite sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nathalie Bernard s'en est chargée le week-end dernier. Voilà, chacun son tour. Ah, je viens de prendre quelques conseils malgré tout. Ne t'éloigne pas, Nathalie. Voilà, c'est repris pour David Pirou. Erreur de Xavier Magirel sur le terrain voisin. Ça ne va pas arranger les affaires lyonnaises qui sont pour l'instant dominées par Nice. 6-0. Quand on laisse comme ça Nice s'échapper, c'est souvent compliqué de les revoir. C'est parti pour Greg Chira. Ah, cette fois-ci, c'est trop court. Ouais. Et c'était également à gauche de la boule. On revoit ce tir. On voit son bras partir sur la droite. Il n'a pas mis de trajectoire comme il le fait d'habitude. Partie basse celle-ci. Jérémy Micou. Ouais. C'est bien rattrapé par Jérémy derrière. Gérard Condreau pour tenter la reprise. Bon, qui mène 4-1 face à Saint-Vulba dans les parties de classement. 3-2 pour Fontaine face à Aix-les-Bains. 5-0 pour Lagneux face à la Motte Servelex. Et un partout entre Génissieux et Joyeuse. Allez, toujours la petite boule d'avance là pour la plaine de Lain. C'est ça, une boule. La boule d'Annecy est à 1 mètre devant. Hein, donc, Ça donne un peu de place pour prendre, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est repris. C'est repris en effet pour la plaine de Lain avec Gérard Condreau. On va pas hésiter, hein, on va aller tirer du côté d'Annecy. On a les boules d'avance, donc. Enfin, on a les points d'avance, pardon. Oui, le but du jeu étant de faire monter la dernière, hein, tout simplement. À Jérôme Benoît. À Gérard Condreau pour cette dernière boule. Donc il reste une boule à Gérard Condreau et une boule à
à Sébastien Moore et de l'autre côté reste une boule à Jérôme Benoît. Allez, on va suivre cette avant-dernière boule pour la plaine de l'Ain avec Gérard Condreau. Aïe, 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 aïe. Un petit peu court. Et on a été rejoint par le maire de Saint-Quentin-Falavier, Mathieu Gaget, qui va suivre avec nous cette fin de mène. Et puis on aura l'occasion ensuite d'évoquer avec lui cette magnifique cinquième étape. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bienvenue à Saint-Quentin-Falavier. Ah, on est bonjour. Bien. On regarde, on va revenir juste, nous, sur la fin de cette mène, parce que c'est important également ce qui se passe sur les Jeux. Je sais que Mathieu Gaget est attentif depuis hier aux prestations des champions. Il a eu l'occasion de participer dans l'après-midi au Gentleman. Et il a pu notamment évoluer sous les yeux de Bruno Chouvelon et de quelques spécialistes. Allez, avec Sébastien Mourgue. C'est important là, que Sébastien arrive à reprendre ses repris. Ouais, bravo Sébastien Mourgue. Mais du coup, on n'a encore pas la marque du côté de... On n'a pas la marque encore du côté de la plaine de l'Ain, puisqu'il reste une boule à Jérôme Benoît. C'est dommage, la boule de Gérard Condreau, là, ils ont manqué un petit peu... l'occasion de marquer. Oui. Après, il fallait que Sébastien reprenne. Belle rentrée de Sébastien, puisque une boule au tir frappée, une boule au point qui assure la reprise. Et la dernière boule, la voici pour Annecy avec... ce dernier point à jouer pour Jérôme Benoît. Avec ses tapés. Et ça sera un point supplémentaire pour Annecy qui mène désormais 4-0 face à la plaine de l'Ain dans cette demi-finale de la cinquième étape de la Ligue Sport Boule M1. Ici, on est à Saint-Quentin-Falavier dans le Nord Isère et Mathieu Gaget, le maire de la commune, nous a rejoint. Merci d'être présent. Bravo en tout cas pour l'accueil, pour l'organisation. Vous pouvez compter sur de formidables bénévoles, une formidable association. Ah, c'est formidable. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau ici à Saint-Quentin-Falavier. On est dans un territoire historiquement de sport boule et on essaye de le faire vivre aujourd'hui toujours de la plus belle des manières dans ce beau boulodrome dont on est si fier. Et oui, un spectacle absolument formidable depuis hier soir avec une équipe de bénévoles au top et un club au top aussi. Et on essaye de conjuguer tous ces efforts positifs pour faire quelque chose de beau ici à Saint-Quentin. Ouais, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que la Ligue Sport Boule M1 vient dans cette ville de Saint-Quentin-Falavier, dans ce boulodrome de la Halle des Sports de Tarabie, parce qu'ici on pratique évidemment le sport boule, mais on pratique tous les sports dans cette ville de Saint-Quentin-Falavier. C'est une ville très dynamique, très sportive. Très dynamique, très sportive. On a un certain nombre de labels. On est déjà labellisé Terre de Jeu 2024 dans le cadre des JO qui arrive d'ici quelques semaines. On est ville active et sportive, on accompagne tous les sports dans leur développement, que ce soit du sport pour tous, du sport élite. On accompagne aussi bien les sports évidemment pour les sections féminines qui nous tiennent très à cœur. Voilà, on est derrière tout le monde, on accompagne tout le monde, que ce soit des débutants, des experts, des professionnels. On est derrière et surtout le sport boule qui nous tient vraiment particulièrement à cœur ici. Alors expliquez-nous pourquoi justement cet amour pour le sport boule. On sait que votre prédécesseur Michel Baconnier, qui a été à la tête de la commune jusqu'en 1977 à 2023, a œuvré pour ce sport, notamment pour la construction de ce boulodrome. Et vous inscrivez aussi dans la continuité ? On s'inscrit pleinement là-dedans. C'est vrai que Michel, qui a fait 47 ans de mandat d'affilée de maire, ce qui est absolument historique et un record, a fait beaucoup, beaucoup pour le sport boule. C'est lui qui est à l'initiative de ce beau boulodrome. On est exactement dans la même lignée aujourd'hui. On soutient le sport boule. Comme je vous disais, on est une terre historique de sport boule. Quand on voit le village il y a 50 ans, il y avait moins de 1000 habitants, mais il y avait 11 cloboulistes sur la commune. Donc c'est quelque chose d'absolument fantastique. On est un petit peu le berceau dans ce bassin lyonnais un petit peu élargi du sport boule. Et on continue de maintenir ce sport boule au maximum aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, Nathalie, à l'entrée du boulodrome, il y a un appel vers une exposition qui est faite sur l'histoire du sport boule en Orisère. Je ne sais pas si vous la connaissez par cœur, cette histoire du sport boule en Orisère. Eh ben, pas du tout. Pas du et tout. Puis, je n'ai pas vu les panneaux à l'entrée.
j'irai tout à l'heure. Je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, il y a une exposition qui est à l'Hôtel de Ville, je crois. Bien sûr. Et en fait, le sport boule, c'est bien plus que du sport. C'est aussi une culture sociale. C'est aussi une manière de vivre, un lien. C'est de la culture. Nous, ça a vraiment marqué aussi le développement de notre village. Donc, cette exposition retrace tout ça. Et je vous invite vraiment à la découvrir ce week-end ici. Ouais, on le disait, on le répète assez souvent, mais c'est l'un des seuls sports intergénérationnels qui peut être pratiqué au plus haut niveau. On le voit avec l'équipe de la Plaine de l'Ain et d'autres, avec des vingtenaires, avec des trentenaires, des quarantenaires et également des soixantenaires ou septagénaires. Exactement, et quand on voit, allez, je vais citer l'équipe de Joyeuse avec mon ami Bruno Chouvelon, c'est pareil, une équipe multigénérationnelle, ouais. Ça fait vraiment plaisir à voir et c'est surtout une ambiance, une amitié et on a des valeurs qui sont fortes, je trouve, de convivialité, de partage, de respect de l'adversaire, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports malheureusement. C'est vraiment le cas pour le sport boule et on est pour ça très fiers d'accueillir du sport boule. Ouais, puis vous deviez être fiers également parce que votre équipe était présente hier quasiment au complet. Il y avait beaucoup d'élus qui vous ont accompagné. Vous allez quasiment pouvoir faire bientôt une cadrette. Vous savez qu'il y a le trophée Émile Terrier qui n'est pas très loin aussi, qui pourra peut-être vous accueillir. Il y a peut-être un truc à faire, non ? La date est déjà cochée dans l'agenda. On sera là pour le trophée Émile Terrier. Oui, non, effectivement, hier on a fait une partie de gentleman qui était fort sympathique, avec aussi notre sénateur Michel Savin qui nous accompagne beaucoup sur les thématiques du sport. On s'est vraiment amusé comme chaque fois. Deuxième fois qu'on accueille le M1 Sport et comme on dit, je mets 203. Eh bien écoutez, avec plaisir, voilà. On va saluer également Alexandre Cassali, votre adjoint au sport, et puis on va saluer également tous les élus et tous les habitants, parce que tous les bénévoles de cette commune qui nous accueillent depuis hier après-midi à Saint-Quentin-Falavier. On vous conseille de venir faire un tour ici dans le Nord-Isère. On est plutôt bien, hein. Même si le vent souffle depuis hier. Je vais dire quelque chose que chaque maire répète souvent, mais on est ici la plus belle ville de France, et en tout cas celle qui aime le plus le sport. Donc bienvenue à Saint-Quentin-Falavier. Très bien, merci beaucoup Mathieu Gaget. On vous souhaite un bon mandat, une bonne fin de mandat. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis également de vous régaler comme nous pour ces demi-finales et cette finale qui sera à venir et qui sera, on le rappelle, en direct sur Sport en France. On l'attend avec impatience. On reste là. Merci. Merci. On va revenir nous à notre demi-finale, vous le voyez, 6-4 pour Nice face à Lyon et 4-0 oui. Pour la Annecy face à la Plaine de l'Ain. Et ça pointe très très bien du côté d'Annecy, hein. Y a aucun problème. Et Lyon, eh ben, on peut dire que l'entrée de Fabien Hamar a été bénéfique puisque... Ils ont engrangé 4 points dans la Maine. Donc voilà, on va dire que Nice ne mène plus que 6-4. 6-4, oui, bah c'est tout à fait relancé cette demi-finale. Pour l'instant, Annecy contrôle le leader du classement général, mais il reste évidemment pas mal de temps. On n'a pas encore basculé dans la deuxième heure de jeu. C'est frappé pour Sébastien Mourgue. Et du coup, c'est Jérémy Micou maintenant qui va les pointer. Une belle boule encore pour Annecy. Et la reprise. Ouais, c'est pas. Allez, regardez, Bruno Chouvelon, le président de la Ligue nationale Sport Boule, avec Philippe Coquet. Un autre micro, on était ensemble là également, hein, Jean-Claude. Hein, c'est une équipe. Nous aussi, nous formons notre cadrette, hein, cette saison avec Nathalie Bernard et Florian Amar. On est une cadrette mixte de très très haut niveau. C'est ça. Ils peuvent nous inviter pour un gentleman, je pense qu'on on pourrait faire une belle équipe. Ah, malheureusement, la boule de Gérard, la tentative n'a pas été réussie. Là, il est légèrement bas. Ouais. Ils ont hésité, hein, un moment avant de savoir ce qu'on faisait. Bon, après, je pense que.
effectivement, c'était la solution d'aller tirer parce qu'elle est prête, cette boule, quand elle, même. Elle est prête, effectivement, elle est prête. Bon, malgré les qualités que démontre David sur cette partie et depuis le début du championnat, mais elle est prête. Oui. David Pirou. Et du coup, petite boule de retard hein, pour la plaine de l'Ain qui n'arrive pas. On l'a vu la semaine précédente, ils ont poussé un petit peu Annecy sur leur retranchement. Boule encore frappée, boule de marque pour Jérôme Benoît. Tout à fait. C'est du très haut niveau, il va falloir... Faire un petit peu la prise, il va être court, David. Ah, ouais. C'est quand même bien joué, mais ça ne suffira pas. Non, non. C'est compliqué là pour la plaine de l'Ain, on le sent dans cette demi-finale. Ouais, après on a mal démarré, du coup ouais. Gérard va partir sur l'annulation. Hein. Pas bien le choix là. Sous les yeux d'Olivier Monceny et de Mathieu Vercher. Voilà, et on voit à côté d'Olivier de Monceny une féminine membre de l'équipe de France, hein, Anaëlle Barouzouti. Sur la droite. On avait eu l'occasion hein, de commenter ouais, pour de la recevoir. Coupe du monde mixte et de la recevoir. Oui, de tout recevoir à fait. Ici à notre micro, c'était à Saint-Vulbas. À Saint-Vulbas, oui. Oh, donc c'est voilà, réussi. C'est frappé pour Gérard Condro. Bravo Gérard Condro qui enlève une belle épine du pied à cette formation de la plaine de l'Ain pour l'instant qui est pas forcément dans sa meilleure forme, en tout cas dans son meilleur mood, mais ça va peut-être aider les bleus turquoises. Alors après, oui, les bleus turquoises, attention. Ouais, c'est pas qu'ils sont pas dans un bon mood hein, finalement, mais Annecy leur laisse pas de place. De place quoi. Ouais. Annecy joue très très bien en fait. Bah, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture là, ils ont ça joue bien, c'est 6, 7 boules à chaque fois, mais Annecy joue la 8e. Il faut peu de choses pour peut-être renverser cette situation. On va voir après cette belle annulation de la part de Gérard Condro. On va voir si ses coéquipiers se remettent un peu dedans. 4-0 toujours en faveur d'Annecy face à la plaine de l'Ain. 6-4 pour Nice face à Lyon. Dans les parties de classement, Fontaine mène 6-2 face à Aix-les-Bains. 5-2 pour Lagneux face à la Motte Servolex. 7-1 pour Bron face à Saint-Vulbas. Et 3-1 pour Joyeuse face à Génicieux. Joyeuse de Michel Balazuc que vous apercevez au milieu de votre écran avec son petit logo EEB de son équipe. Bien entouré avec également, on a aperçu... le papa de Fred Marsens également, hein, qui était dans cette tribune, qui nous avait magnifiquement accueillis la saison dernière lors de la dernière étape de la saison à Davézieux, en Ardèche. En Ardèche, oui. C'était régalé, hein, avec également une grande organisation, et puis du spectacle, du suspense, et ce final. Quel finish! Allez, une boule de Pascal Persico un peu courte, enfin un peu courte. Ouais, on peut le dire, relatif, moyenne. Mais voilà, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, voilà, une boule qui se trouve à peu près 50-55, mais qui laisse la place à David Pirou pour tenter la reprise. David Pirou, justement, le voilà. Et la reprise... Quand ça veut pas, ça veut pas. Non. En fait, la distance était idéale et malheureusement, il aurait pu faire le bec intérieur et il s'est aligné directement sur la boule de l'adversaire. Sa boule était bien jouée, hein, mais ouais. Il est retombé légèrement sur la gauche. Allez, petit tir de précision pour Thierry Michel. Ah oui, ça c'est du tir de précision pour Thierry Michel. Mais il a montré de belles choses hein, depuis hier soir. Et bravo, eh ben, voilà. Encore, hein. Magnifique. C'était quand même pas une boule qui était bien évidente à trier, donc c'est très bien tiré. Il est au rendez-vous Thierry Michel. Ah, c'est sérieux, il n'y a pas dans sa course, dans son comportement, c'est pas un comportement volubile du tout, il est presque discret, mais alors quelle efficacité. Oui, tout à fait, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, qui fait pas de bruit, qui brasse pas sur les jeux, mais il est efficace.
Greg Schira. Un seul échec hein, pour l'instant pour Greg Schira. Ah, ce carreau glissé peut-être, on ne le voit pas, mais c'est non, c'est sorti, il me semble. Oui, il a ramassé. Allez, deuxième boule pour David Pirou. Ah, elle est belle, ouais, celle-là. Très bien joué. Ouais, très belle. Très belle boule. Ah, il ne s'est pas fait prendre deux fois. La première était légèrement sur la gauche, un tout petit peu courte. Et non, c'est David Pirou là, qui est aux commandes. Akshira. C'est à nouveau frappé. Ouais, 2 sur 2 pour lui dans cette main. Ça déroule tranquillement là depuis hier pour Greg Schira, puisque allez, c'est une à deux fautes par partie seulement. Ça démontre un peu le niveau de jeu qu'il nous propose depuis hier. Allez, on le sent totalement concentré hein, sur sa performance. C'est un peu le cas d'ailleurs de tous les représentants de cette équipe d'Annecy. On sent vraiment chacun qui est concentré sur son objectif. Ils sont concentrés, ils sont concernés. Et ouais, ça, c'est important. On le voit, hein, ils jouent vraiment en équipe là. Voilà, belle boule de Gérard. Un petit peu sur le côté à droite, celle-ci. Tout à l'heure, on penchait sur la gauche. Là, on penche un peu sur la droite. Du coup, ça laisse aussi un petit peu la place. Et c'est sa patte gauche, en fait. Hein, à Pascal. Il a fait remonter un petit peu. À Pascal, tenter la reprise. Belle boule de Pascal. Et c'est réussi. Là, vraiment, on assiste à un mano-mano entre ces deux pointeurs-là. C'est un régal. Hein. C'est un régal. C'est pas pour rien qu'on les voit régulièrement dans les stats au niveau. Ouais. Exactement. Dans l'autre demi-finale, on voit que Lyon a à nouveau marqué. Hein. Lyon qui revient à un point, tout doucement, qui grappille. Tout à fait. 5 à 6. Nice a peut-être aussi en mémoire cette fin de partie, hein, il y a une semaine. Ouh là là. Du coup, ça peut aussi jouer sur les esprits. Nice, Annecy et Plaine de Lasse sont affrontés à une seule reprise cette saison. C'était à la Croix-Rousse, au boulodrome des Canuts, en match de poule, et Annecy l'avait emporté 12 à 5. Et là, on voit une deuxième boule de Gérard Condreau, courte. Donc, elle est retombée sur la gauche du jeu ou sur la droite à votre écran. Mais je pense que le fait qu'il soit court, c'est ça qui l'a fait retomber. C'est ça, Nathalie. Et de plus, il s'était décalé un petit peu par rapport à la première, qu'elle était remontée sur la droite. Là, il a voulu corriger un tout petit peu trop. Et malheureusement, la boule a basculé sur le côté gauche. Sébastien Mourgue. Qui avait réussi hein, tout à l'heure au point à faire la belle reprise. Là, il est un peu vite. Aïe, 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 et là, aïe, aïe. Et là, qui va-t-on appeler ? Eh ben, on va appeler Thierry Michel. Et oui. Une nouvelle fois ? Il reste une boule à Thierry Michel. Gérard Condreau en a plus. Donc, on ne peut pas faire appel à Gérard. Donc c'est Thierry qui va y aller. Allez, nouvelle fois la pression hein, sur lui. On tire sur la corde. Hein, avec, c'est ça. Déjà la semaine dernière à Chazelle, hein, il nous avait gratifié. Alors je ne sais plus de combien de buts taper, mais je crois qu'on était à 3 sur 4 ou 4 sur 5 en finale.
tout comme Xavier Majorel d'ailleurs. Et c'est parti pour Thierry Michel. Annulation, ouais, réussi. Réussi une nouvelle fois. Nouvelle annulation réussie par Thierry Michel. Et on va rester avec ce score de 4 à 0 en faveur d'Annecy face à la plaine de l'Ain. Ah, il avait été à 5 sur 8 au tir au but la semaine dernière. Mais pas que sur la finale, sur l'ensemble de l'étape. Non, sur l'ensemble de l'étape, d'accord. Bien sûr, tout à fait. Okay. Regardez le public présent avec Dany Montels, on aperçoit également avec son capitaine Patrice Landreau. Juste en dessous, Albert Didona et puis Cédric Rostin-Taillard de l'équipe de Bron. L'équipe de Bron qui mène 8 à 1 contre Saint-Vulbas d'ailleurs. Qui pourrait faire un bon week-end avec deux victoires. Ça ferait 6 points supplémentaires qui seraient les bienvenus dans la course au maintien. C'est ça. Un autre championnat que celui qui oppose les 4 demi-finalistes. Mais c'est un championnat également à suspense où il va savoir se battre, où tous les points vont compter en haut comme en bas. On change un tout petit peu de stratégie pour Annecy puisqu'on a mis le but légèrement plus loin. Ça fait déjà deux passes qu'on mettait sous pression la plaine de l'Ain. Donc deux belles annulations, une de Gérard Condreau et là à l'instant même de Thierry Michel. Donc là Annecy a décidé de jouer légèrement plus loin. Est-ce que ce sera bénéfique ou pas? Alors là, on va aller tout droit, on va aller flirter avec la ligne. On va rester dans le jeu, oui, c'est ça. On va rester dans le jeu, bravo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pareil, c'est encore une boule comme tout à l'heure, hein, qu'on voyait un peu perdue. Et puis finalement, elle est bien restée dans le jeu, elle est bien revenue. Mais je crois qu'il s'est fait peur. Je pense. Je pense que toute l'équipe a eu peur d'ailleurs. 7 à 2 pour Fontaine face à Aix-les-Bains. 8-1 pour Bron face à Saint-Vulbas, 3-1 pour Joyeuse face à Génicieux et 5-2 pour Lagneux face à la Motte Servolex. 2 points pour les 4 vainqueurs de ces matchs de classement, 6 points pour les vainqueurs des demi-finales et 8 points pour le vainqueur de la finale. On rappelle qu'avant cette étape, la plaine de l'Ain comptait 16 points d'avance sur Lyon, 20 points sur Annecy et 26 points sur Genelard et 30 points sur Nice, si on veut être précis. Voilà, c'est complet. Quand voilà. On va voir s'il prend autant de risques que sa première qui a flirté avec la ligne tout de long. Ah, il l'a légèrement plus engagée. Hein. Elle est plus engagée, elle sera un peu... Ah, c'est encore... Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. On la voyait courte et puis finalement, elle a continué de rouler. Et Thierry Michel qui part tranquillement encore au tir, sa deuxième boule. La partie sur le jeu 4, 1 point pour Génicieux. Joyeuse, même 3-2. Échec là pour Thierry Michel. On va envoyer Sébastien Mourgue. Ah, il les compresse, il les met sous pression à chaque main. C'est exactement le terme là. Pour l'instant, ça apparaît pas puisque ça joue toujours à une boule près, mais la pression, c'est bien Annecy qui l'exerce pour l'instant. Ah, il mène le jeu, on le sent. Plaine de l'Ain qui est obligé à chaque fois de combler son retard, de s'accrocher. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi, Plaine de l'Ain, puisqu'Annecy fait le plein à chaque fois. Quoi. Sébastien Mourgue. C'est frappé pour Sébastien. Jérôme Benoît qui prend son temps.
Pour l'instant, dans cette passe, personne n'a pris de retard. On est passé sous l'heure de jeu. Ça me paraît bien envoyé, c'est encore... C'est un petit peu derrière, sur le côté, ouais. Je pense que du coup, là, on va pas tirer, on va envoyer David Pirou pointer une boule. Et oui, l'occasion de mettre la boule de l'adversaire en danger, là, puisqu'elle est légèrement derrière, comme Nathalie nous le souligne. Et là, c'est important, avec la qualité qu'on connaît chez David, il est capable. Hein, il est capable d'aller faire cette prise au chaud, comme on le dit, un peu sur le devant. C'est jouable, c'est ce qu'ils vont tenter pour renverser un petit peu la situation et sortir de l'étau d'Annecy. David Pirou. Il va encore manquer un petit bout. Ouais, il manque un petit tour. Pas mal joué, hein, mais... C'est bien joué, voilà. Ça va compter. C'est bien joué. Je pense que là, on va devoir... Est-ce qu'on prend le risque de pointer encore une boule ou bien c'est Sébastien qui va les tirer? Je pense qu'on va retourner pointer une fois. On va jouer, effectivement. On la joue. On va les pointer. Et puis Seb, il ira tirer le but si besoin d'aller tirer le but. Ou la boule, enfin après tout dépend où David va mettre sa boule, mais elle compte hein, cette boule, elle est jolie hein. Elle compte. Allez, David Pirou pour essayer de reprendre dans un premier temps. Encore pas prendre. Non. C'est bien joué. Ces deux boules sont bien jouées, hein, mais après, la boule de Jérôme était prête quand même. Hein. C'est bien joué deux fois. Si on se trouve de taper cette boule, qu'est-ce qu'ils vont décider? Voilà, c'est Gérard qui va aller tirer la boule. Hein. Sébastien va garder sa boule pour le but, cas où. Elles sont prêtes, ces deux boules. Hein. On peut les laisser. Si Gérard se trouve de la faire courir, on a vraiment deux beaux témoins. Et après, difficile. Hein. Gérard Condreau qui part... Au tir. Allez, concentration pour Gérard Condreau. On va laisser d'abord tirer Sébastien Belet sur le jeu voisin qui a touché Sébastien Belet. Et on va laisser maintenant place à Gérard Condreau. Allez, Gérard Condreau. Non. Ah. Alors on était un bas, peu. Ouais, c'est la sienne. Condreau, il a tapé la sienne en c'est fait. C'est la hein. sienne devant. Mmh. On était caché, on n'a pas bien vu du coup le tir, on va le revoir mieux. C'est la sienne devant. Malheureusement. Pour la plaine de l'Ain. Et oui. Allez, on va demander. Mais ça fait les affaires d'Annecy. Voilà. Évidemment. On va demander à Sébastien Bourg. Pardon, excusez-moi, Cyril. Non. Allez-y Nathalie. Sébastien Rumbourg, bah de sauver encore. Cette mène encore. Voilà. Alors, d'habitude c'est Thierry Michel, et on a eu Gérard Condreau aussi. Est-ce que Sébastien Rumbourg va réussir à faire... Troisième tireur de but hein, de la compétition pour le moment. Il était à 16 sur 21 avant cette étape. On va voir si Sébastien Rumbourg est aussi précis aujourd'hui. C'est frappé. Et c'est frappé. Troisième annulation réussie. Troisième annulation, on repousse l'échéance, mais le temps passe et on est toujours à 0-4 en fait. Hein, donc, Mais écoutez, il n'y aura pas de jaloux dans cette équipe. Chacun voilà. A attrapé son but. Voilà. Que ce soit Gérard Condreau, que ce soit Sébastien Mourgue ou Thierry Michel, eh bien, chacun a été capable de sauver la passe et de conserver l'espoir. Tous les espoirs qui sont là, 0-4. Mais pour le moment, le quatuor d'Annecy est vraiment impressionnant. L'équipe de Jean-François Gaubertier
L'équipe GDP Vendôme, on rappelle quand même que Jean-François Gobertier, il est à l'origine hein, de la création de cette Ligue Sport Boulémain. C'était lors de la saison 2019-2020, une saison malheureusement qui avait été perturbée par le Covid. Lancer cette compétition avec Fabrice Laposta. Elle a été reprise en 2022, cette compétition, par cette nouvelle Ligue Nationale Sport Boule. Mais on connaît l'importance de Jean-François Gobertier dans le Sport Boule. Lui qui suit et qui accompagne cette équipe d'Annecy désormais depuis plusieurs saisons. Qu'il ne soit pas d'ailleurs. Oui. Ah, ils sont là hein, encore, ils peuvent aller chercher le titre, même si l'année dernière en 2022 ils se sont fait souffler la victoire par la métropole de Lyon. Et vous le voyez sur ce joli petit bandeau qui défile que la finale de l'étape 5 de la Ligue Sport Boulémain à Saint-Quentin-Falavier samedi 6 avril. Rendez-vous à 18h sur l'application de notre diffuseur Sport en France. Vous avez vu Nathalie Chély, j'essaye de lire avec le ton, ça vous plaît ou pas? C'est bien. C'est bien. Rediffusion en léger différé sur la chaîne TV Sport en France ce soir à 23h30 et lundi 8 avril à 21h. David Pirou. Ouais, David Pirou qui va les pointer puisque Pascal est resté un peu court devant encore. Encore. Pour une fois. C'était relatif, hein. Pour une fois, ouais. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Mais il va devoir prendre des risques hein, quand même, hein, parce qu'il va falloir passer entre la ligne et la boule de Pascal Persico. Il y a de la place, mais il va pour pas se tromper. Un point, 7 à 5 pour Nice face à Lyon dans l'autre demi-finale. Et regardez, il était un peu court, mais ça tient toujours. Il est parti sur la gauche, n'a pas voulu prendre le risque peut-être de la montée à droite et le risque de se perdre. C'est exactement ça. Et du coup, voilà. Sur une boule qui était à 80, finalement, on se retrouve presque en difficulté encore. C'est là où on n'arrive pas à faire la différence du côté de la team Monceny, c'est dommage. Thierry Michel pour trier. Oh là là. Parce que c'est quand même pas simple. Hein. Les boules, elles sont vraiment accolées. Très très beau triage. Quoi. Il fait une belle partie, hein, Thierry Michel. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait deux fois de suite là, qui va nous chercher une boule très très difficile, exactement dans les mêmes conditions, puisque tout à l'heure, pareil, on a David Pirou qui est venu s'appuyer sur la boule qui tenait, et à deux reprises, on vient de le voir encore là, c'est réussi pour lui sans toucher la sienne. Il y a eu le tir au but de l'annulation, il y a eu également le carreau lors de cette demi-finale. Tout à fait. Et du coup, on ne se gratte pas hein, du côté d'Annecy, on va tirer tout de suite, on a la boule d'avance, on mène au score. On y va. Voilà, ça continue. Je vous vole un peu vos stats, Jean-Claude, mais je crois qu'il est à 10 sur 11. Allez, je vous confirme. 9, oui, c'est ça. Ouais. Il y a simplement une seule faute hein, sur toutes celles qui ont été jouées jusqu'à maintenant. Et Jérémy Micou, lui, est à 4 sur 4. Et il n'a pas de faute, là, pour l'instant. Et puis, il ne joue pas trop de boules, puisqu'il y a eu, comme on l'a dit, c'est trois annulations consécutives de la part de la Plaine de l'Ain. Donc, ça ne fait pas jouer beaucoup de boules pour ceux qui jouent au milieu. Hein. C'est ça. C'est peut-être même long, d'ailleurs, pour lui. Hein, il aurait pu aller prendre le café hein, avec nous. Hein. Oui, il aurait pu. Et ça sera peut-être, à un moment donné, la clé du match, en fait. C'est ça. Hein. Exactement, parce qu'il va falloir qu'il soit fort tout de suite. Enfin, dès qu'il va falloir qu'il aille jouer. Et vu qu'il aurait été un petit moment sans jouer, ça ne va pas être évident. Belle boule de Pascal. Et on y va tout de suite aussi, hein, côté Plaine de l'Ain, on ne s'embête pas. Alors il y a une boule au fond du jeu. Est-ce que c'est. C'est une boule à Plaine de l'Ain qui est là-bas au fond. Thierry Michel, non? C'est possible. On va le suivre. Tiens, Thierry Michel, le voici.
Et Fontaine qui se détache face à Aix-les-Bains. Monk est là pour... Ouais. Il l'a vu, hein, il a arrêté sa course. Hein. Il a arrêté sa course, il a vu tout de suite qu'il n'était pas droit. Dommage. Dommage parce que du coup David est obligé d'aller pointer sur une boule ma foi qui est pas si mal que ça. On voit que c'est difficile à reprendre de ce côté. Et 8-3 pour Bron face à Saint-Vulbas. Et 8-2 pour Joyeuse face à Génicieux. Ça se précise également dans les matchs de classement. Bon, Fontaine, Joyeuse sont en train de prendre une option pour ajouter 2 points dans leur escarcelle. C'est le, pour l'instant score de parité 5 partout entre Lannu et la Motte Servolex. Ouais, c'est plus indécis. Allez, on va... Qu'est-ce qu'on tente là du côté de... de reprendre, donc là Greg Chira va émis la contribution pour conserver le point. Belle reprise hein, de David Pirou et deuxième échec. Ouais. Ah, petit bol d'air pour la plaine de l'Ain. Il y a longtemps que qu'une boule n'était pas faute du côté d'Annecy. C'est ça. Et du coup voilà, c'est Jérémy. C'est maintenant qu'il va falloir qu'il rentre en action et qu'il soit bon, vu qu'il n'a pas joué depuis un petit moment. Greg Chirac, qui dans l'étape précédente avait fait 17 tirs d'affilée. Jérémy Micou. Et voilà. C'est pas le... Un petit peu la crainte qu'on avait, hein, de se relancer quand on n'a pas joué beaucoup. Bon, là, il a tapé le but, il ne l'avait pas annoncé. Je pense qu'il va y retourner et qu'il va l'annoncer cette fois-ci. Pour limiter la casse pour l'équipe d'Annecy. Non, finalement, on va tirer la boule. Jérôme Benoît va tirer la boule. On ne s'embarrasse pas. Hein. Simplement une boule de retard hein, suite à la faute de Jérémy Micou. Mmh. Et là, on change de tireur. C'est Jérôme Benoît qui va essayer de pousser. Je pense qu'en fait, Jérôme, il va aller tirer la boule pour laisser la boule à Jérémy Micou pour le but. Quoi. Bien sûr. Ils vont pas au but tout de suite. Ils vont tenter de tirer la boule, faire jouer une boule à la plaine de l'Ain. Puis on ira voir après ce qui se passe. Ah, il reste 3 boules à jouer pour Annecy, 4 pour la plaine de l'Ain. Le point pour la plaine de l'Ain. Jérôme Benoît. Bah lui aussi. Lui aussi a eu le but. Hein. Alors ils ont été 2 sur 2 au but. Qui va y aller voilà. Non, c'est Jérémy qui va y aller. Mais Alors on est à 100% de réussite pour Plaine de l'Ain au tir au but. On va voir ce qu'est capable de faire Annecy au moment de défendre aussi à son tour. Sur cette main qui est mal embarquée. La première hein, dans cette partie oui. Mal embarquée pour Annecy. Tout à fait. C'est aussi dans ces moments-là hein, où une partie peut se jouer. On va voir si Annecy sait défendre avec Jérémy Micou pour annuler cette main. Ah bah il a tapé la boule. Et malheureusement, c'est la boule cette fois-ci. Ça fait 3 échecs d'affilée hein, pour Annecy. Oui, je pense que c'est la boule qui lui enlève peut-être parce qu'elle était bien envoyée celle-ci. Mais pour le coup, ça va faire jouer la plaine de l'Ain. C'est ça, on va pas s'embarrasser, on va étirer la boule. Hein. Oui, on est un petit peu en avance. Il ne reste qu'une boule à venir. On va pas s'embêter. Alors, il faudrait savoir à qui est cette boule en fond de jeu, là. J'ai l'impression que c'est à la plaine de l'Ain. Parce qu'il me semble que tout à l'heure, on a joué dessus du côté d'Annecy. Donc, là, voilà. C'est un moment peut-être important, cette sixième main pour Plaine de l'Ain, de se rapprocher. D'Annecy et c'est frappé, on laisse pas passer l'occasion. Voilà, Sébastien ouais. Mourgue. Et en effet, c'est Annecy hein, qui va aller jouer. Taper, ce sera 3 points malgré tout pour la plaine de l'Ain. Ça les ramène au score. Hein. Ça les ramène dans la partie. Ils ont su pour l'instant laisser passer l'orage, on va dire. Hein. Il faut savoir laisser passer quand on souffre un peu, mais tenir bon. C'est ce qui s'est passé avec ces 3 belles annulations. Mm-mm.
Et là, ça va leur donner raison. Jérôme Benoît. Qui va reprendre, évidemment. Bien on sûr. N'en doutait pas. Et on va aller tirer tout de suite cette boule. On va pas s'embêter, en effet. On va tirer pour 3 points avec les arbitres. Regardez à l'écran. Gilles Catherine, notre duo d'arbitre international Gilles Catherine et Jean-François Goguet, arbitre national qui l'accompagne. Tous les deux nous viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on va tirer là pour 3 points. Ça, c'est un moment important. Sébastien Bourg. Aïe. Et c'est manqué. On loupe des occasions aussi quand même. Hein. Ouais, un petit point de moins. Bon, taper, ça fera 2 quand même. Là, du coup, c'est Gérard Condreau qui va devoir y aller. Allez, Gérard qui reste sur une belle annulation hein, de passe précédente. Donc. Il le sait frapper ces 2 points pour lui. Allez, Gérard Condreau pour donner 2 points à la plaine de l'Ain. Et cette fois-ci, c'est frappé. Ça fait 2 premiers points pour l'équipe d'Olivier Monceny dans cette demi-finale. Plaine de l'Ain qui revient à 2 longueurs, 4-2 pour Annecy après cette 6e aide. Dès que Annecy a un petit coup de moins bien, on le voit, Plaine de l'Ain est prêt à s'infiltrer et à venir profiter de sa belle passe. Ouais, ils auraient pu mieux en profiter quand même hein, si Sébastien Mourc tape tout de suite. Ça peut faire un point de plus, ça peut faire la différence à la fin. 4-2 pour Annecy face à Plaine de l'Ain, 7-5 pour Nice face à Lyon. On revient dans quelques instants au boulot d'or de Tarabie. Petit clin d'œil à nos sponsors. Et on bascule dans la dernière partie de ces demi-finales. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Tonic Radio comme chaque matin pour vous accompagner dans la région. Et tout de suite un point complet sur l'actualité locale et sportive sur Tonic Radio. Bravo Tony ! Merci Tonic Radio, vous êtes les meilleurs. Tonic Radio, hit et pop musique. Allez, retour au Blodrome de l'Halle des Sports de Tarabie pour la dernière ligne droite de ces demi-finales. Vous le voyez, c'est serré. On n'a pas encore mis à jour les scores, mais Annecy ne mène plus que 4-2 face à la Plaine de l'Ain. 7-5 si les scores sont à jour entre Nice et Lyon. Alors on a changé là, on va voir si c'est le bon score. Vous voyez que sur les parties de classement, Fontaine mène 10-2 face à Aix-les-Bains. 5 partout entre Lannion et la Motte-Servolex. 8-3 pour Bron face à Saint-Vulbas et 8-2 pour Joyeuse face à Génicieux. Voilà, on tame de mêle pour la Plaine de l'Ain et David Pirou s'en veut un peu parce que bon, sa boule est devant, mais elle est un peu courte quand même. Et elle est à 70 devant. Ah, il sait que son rôle va être prépondérant. Là, c'était le moment tout de suite de mettre un peu la pression à Annecy et du coup, avec cette boule un peu courte. Après, on n'est pas à l'abri de venir se coller du côté de Pascal Persico. Mais... On vous applaudissait, Nathalie. Ouais, je ne crois pas que ce soit pour moi. Vous pensez que c'était pour Jean-Claude ? Il me semble que c'était pour une boule bien jouée de la part de l'Acro Lyon. Vous avez vu que vous avez bien rangé. Hein. On voit que Nathalie Bernard, la partie est bien rangée. Voilà. Alors que là, les garçons... Voilà. C'est un peu le foutoir. On va ranger notre chambre après. On voit les filles et on voit les garçons, en fait. On va ranger notre chambre, on vous le promet, pour la finale tout à l'heure. On fera place nette sur ce bureau. Et on va voir en tout cas qui sera
en finale. Parce que c'est un suspense total. 8-5, ils ont ajouté un point Nice. 8-5 face à Lyon. Voilà, mais rien n'est fait dans les deux demi-finales. Il reste 38 minutes, on va dire à peu près 3 mènes. Voilà, David, cette fois-ci. Il a repris. Oui, parce que finalement, Pascal avait fait la reprise, mais c'était pas non plus insurmontable pour David pour tenter à nouveau la reprise. C'est manqué pour Greg Schira. Légèrement haut. Pas forcément une bonne nouvelle pour Annecy hein, à ce moment de la partie. Bah non, jusqu'à présent il avait été impérial. Seconde boule pour Greg Schira. Cette fois-ci, c'est frappé. On se demande, on était prêt à partir tirer, puis finalement. Ah, on va les pointer. Ouais, finalement, David Pirou a dit non, il faut aller pointer une boule là. Allez, Gérard Condreau. Oula. Il est parti. Alors il est parti, mais non, il est vraiment parti. Quoi. Malheureusement, il n'a pas réussi ce qu'il souhaitait là tout de suite, Gérard. Ouais, après, je sais pas si le jeu c'était d'essayer de rentrer la boule à David devant. Pour moi, il fallait juste essayer de reprendre vu qu'on a eu un échec de Grégory Schira. Mais bon, il n'est peut-être pas passé par là où il voulait non plus. Hein. Et voilà, de retour boule à boule. Allez, seconde chance pour Gérard Condreau. On va insister au point. Et celle-ci est importante. Elle est importante parce que reprise, ça met un peu la pression à Annecy. Est-ce que c'est réussi pour Gérard? Oui, ça a l'air d'être reprise. Ah oui. Et puis, peut-être qu'il s'est arrangé avec sa boule derrière là. Il l'avait placé avant comme ça, il avait préparé le terrain. On voit Pascal Persico secouer de la tête. Peut-être que. Ah, il le regarde quand même, hein. Ouais. Ah oui, regardez ça. La petite tape. Il ne peut pas y avoir grand chose quand même. Alors, quoi qu'il en soit, on va les tirer. Hein. Après, on ne sait pas trop le verdict. Allez, c'est tiré pour Jérémy Micou. C'est tiré, c'est frappé. Oui. Et du coup, il avait bien mis 2 points en avançant un petit peu le but, puisque c'est Pascal qui va les jouer. Et
Et là, c'est pas facile à jouer parce que la boule qui est courte devant appartient à la plaine de l'Ain. C'est ça. Le point est tenu sur le côté, on le voit là sur, sur la, droite de, la droite du but. Ils ont placé leur pion hein, déjà un peu partout sur le jeu. Il va falloir être très précis, être imaginatif aussi. Ouais, mais là il faudrait qu'il joue sur sa boule quoi. Enfin, qu'il essaye de passer dans la lunette là sur les deux boules de devant. Après, s'il touche un peu sa boule, c'est bien. Pascal Persico. Et ben voilà, justement, il vous a écouté, Nathalie. Il est bien passé où il fallait. Et voilà la réponse. On se posait des questions que lui ne s'est pas posées. C'est repris tout de suite. Bravo, Pascal Persico. Ouais, après, je pense que la lunette sert bien là, pour pointer, en fait. Oui, ça a dû le guider, oui. Ouais, c'est un bon guide. Thierry Michel. C'est parti. Et c'est frappé pour Thierry une nouvelle fois. C'est toujours du boule à boule dans cette passe. C'est gagné là pour Fontaine oui. Qui s'impose face à Aix-les-Bains dans la partie de classement. C'est deux équipes qui en ont terminé pour le week-end et Fontaine qui regrettait de ne pas être passé hein, en demi-finale, qui va quand même terminer sur une bonne note. Bravo aussi à Aix-les-Bains hein, qui a fait des belles choses avec deux victoires ce week-end. Ça va faire du bien aux hommes de David Martin. Oula. Jérôme Benoît lui est parti complètement à l'inverse. Il n'y a aucun engagement dans sa boule et du coup... Voilà, et à nouveau, Jérémy Micou qui part au but pour essayer de sauver encore son équipe de la Maine, là, parce que finalement, ils n'ont qu'une boule qui compte, la boule de Pascal. Ah, il a intérêt à pas se tromper, là. Jérémy Micou, c'est parti pour Jérémy Micou pour annuler cette Maine. C'est manqué. Ah, c'est manqué. Ah, ils sont pas payés hein, pour l'instant Annecy avec deux tentatives, deux échecs. Pour l'instant, la plaine de l'Ain, elle a été au rendez-vous dans ces moments clés. Ouais, ce qui n'est pas le cas pour... Regardez les deux tireurs. Ouais, hein, les deux tireurs. Il y a évidemment Greg Chira qui s'en veut de ces deux échecs. Tout à fait. Et Jérémy Micou, lui aussi, qui n'est pas en réussite depuis quelques mains, là, depuis deux mains tout simplement. Ouais, mais on le disait, hein, ça fait un moment qu'il n'avait pas joué et du coup c'est pas évident à se remettre les boules d'échauffement qu'il a eues, elles sont loin. Hein. Ouais, et surtout qu'à deux reprises on lui demande d'aller attraper un but. C'est ça. On lui demande pas d'aller attraper une boule, hein, c'est des buts et les buts, c'est petit. Hein. Bravo, Jérôme Benoît. Alors, il reste... Donc là on était parti pour aller tirer la boule qui tient et finalement on se dit on va peut-être aller tirer la boule de devant. Et oui parce qu'après de toute façon je pense qu'ils vont aller la tirer comme pour deux. Ça, j'aurais réfléchi comme ça après est-ce que... Non bon finalement on... Qu'est-ce qu'on fait ? On tape la boule qui tient. Sébastien lui a dit tape à la marque, on verra après. Et Thierry Michel. Il s'élance pour... Voilà, taper. C'est frappé. Et je pense que du coup, on va aller tirer maintenant la boule de devant. Là. Enfin, pour deux. Pour deux points. Pour revenir à... Ben ouais, parce que si... Enfin, je sais pas. Bon, je pense que c'est le jeu. Parce que si tu viens de la toucher, cette boule, t'as plus le point. Après, tu vas encore pinailler. Faut aller tirer pour marquer. Taper c'est 3. Taper ces 3 et ça ouais, permettra. C'est au moins 2 déjà. Ouais, ça permettra à la plaine de l'Ain de revenir au moins à hauteur. Tout à fait. De d'Annecy. Sébastien Morgue. Ouais. Voilà, c'est frappé. El Caro est là. Ouais. Et il est resté dans le jeu, hein. Je pense qu'il va aller tirer l'autre là-bas. Le carreau est là. Est-ce qu'on va prendre ou tenter de faire un autre carreau glissé ? On va les pointer. Est-ce qu'il pourrait faire 4 ? Ça serait une sacrée affaire là hein, pour Plaine de l'Ain.
Regardez cette boule qui reste dans l'air de jeu. Mais on va les pointer. Ouais, je pense pas, on va jouer la sécurité malgré tout. Il y a déjà deux points. Hein. Elle ne gêne pas la boule qui est là-bas. C'est pas comme si elle était dans le jeu, celle-là, normalement. Ouais. Elle risque rien. Tu vas tirer. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux avoir le compte sur ta boule de derrière. Ouais, puis c'est la leur. Au mieux assurer, déjà, tu as deux points par terre. Et peut-être l'occasion pour la plaine de Lin de prendre l'avantage dans cette demi-finale avec Sébastien Mourgue qui a l'occasion de donner 3 points dans cette sixième main à son équipe. Fait. C'est fait. La plaine de Lin qui ajoute 3 points et qui prend les commandes de cette demi-finale pour mener 5 à 4. Ouais, tout à fait. Annecy a manqué ces deux mains là et plaine de Lin a su en profiter. Évidemment, ça change complètement la physionomie de ce match qui était parfaitement mené par Annecy qui contrôlait les débats avec un jeu clair et précis. Et là, depuis deux semaines, on sent que les Annecyens ont du mal. Il y a eu des erreurs inhabituelles. Les deux tireurs ont connu quelques échecs et la machine s'est un peu enrayée. C'est ça. Alors là, on a choisi d'aller jouer tout près de la ligne. Ouais, là, on est vraiment. On n'a pas choisi la facilité. Hein. Alors, je ne sais pas si on a choisi finalement, mais après, j'ai l'impression que on a toujours joué de ce côté-là. Et peut-être que même en s'appliquant pour jeter le but, et ben, c'est le jeu qui fait que le but va complètement sur la droite. Et David Pirou, qui n'était pas forcément content de son entame de 6e mètre, de sa première boule. On va voir s'il arrive justement à mettre son équipe d'entrée dans les bonnes conditions. À la plaine de Lin a suggéré jusqu'à maintenant, ils ont laissé passer l'orage, ils se sont défendus à 3 reprises avec ces 3 tentatives de but réussies. Et les voilà devant à la marque. Le voilà, David Pirou, c'est parti pour cette boule. Et ça ressemble à quelque chose. Oui, elle est là, cette boule. Hein. Elle est jolie. D'ailleurs, on ne va pas s'embarrasser. C'est Greg Chira qui est parti. On ne va pas les contester. Dans le demi-finale, Lyon a marqué à nouveau un point. Nice, du coup, mène 8 à 6. 8 à 6, 5-4 pour Plaine de Lin face à Annecy. Greg Chira. Bravo, frappé. Greg Chira. On va s'offrir un sacré suspense pour les 25 dernières minutes. On va se régaler. Vous c'est avez clair. Raison d'être fidèle à ce retransmission. On se régale depuis le début de la compétition, au début janvier. Mais on a l'impression qu'à chaque étape, ça monte d'un cran au niveau du suspense, de l'attention et des retournements de situation. David Pirou, seconde boule. Qui va retrouver le bon chemin comme tout à l'heure. Ça semble bien parti. Ça semble pas mal. Ouais. Légèrement derrière, mais bon, elle est déjà là. Elle est déjà là, mais du coup, on va les pointer du côté d'Annecy. Important de toujours rester devant. Ouais, il s'en veut un peu, David Pirou, là. On voit qu'il fait un petit geste en disant passer derrière. Elle est jolie, ma boule, mais elle est derrière, quoi. Ouais, il recherche la perfection à chaque fois. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et ils sont redoutables à l'entraînement. Hein, notamment, c'est Laurent Béraud qui les entraîne au point et qui leur fait des ateliers de points spécifiques. Je confirme. Donc, je confirme les entraînements de Laurent Béraud puisque c'est les mêmes, hein, les masculins et les féminines. On a les mêmes entraînements. Et Sébastien Lévamar contire. Et on s'oblige effectivement à ne pas passer derrière le but, quoi. Pascal Persico. D'ailleurs, Laurent Béraud lui souhaite un bon rétablissement. Bien sûr. On espère le revoir très vite. Voilà, c'est bien pris. Et oui, c'est à l'appui. Voilà, les boules derrière. Voilà pourquoi il s'en voulait, David Pirou. Et c'est normal, risque. Ça sert à ça un peu. Alors, le trieur est parti au tir. Est-ce qu'il va réussir là Là, ça serait un sacré exploit. Hein.
L'exercice est plus délicat là. Ouais, c'est un petit peu plus délicat quand même. Mais c'est ton jamais. Je sais pas si elle touche ou pas. Après, il peut se poser au milieu des deux, hein. Aussi. On va suivre ce tir important là de Sébastien Leva-Marcon sur le terrain dans la demi-finale. Il n'était pas content du tir précédent. Non. Il avait touché mais pas assez, écarté la boule. Et c'est là, ça reste. C'est parti. Bah, c'est pas mal tiré, hein, parce ouais. que finalement la boule à David est encore là. Ouais. Elle est un peu loin, mais bon. Elle est encore dans le jeu. Bravo Thierry Michel, hein, quand même. Quelle demi-finale il nous sort. Fait du jeu. Pascal Persico devrait sans doute pas avoir de problème pour reprendre. À condition de ne pas tomber à l'eau. Normalement, il ne devrait pas prendre le risque. Il n'y a pas de boule dans le jeu. C'est repris, mais... Mais il a vraiment pas pris le risque. Ouais. Après, c'est pas ce qu'on lui demande, là. C'est pas à lui de le faire. C'est plutôt à Gérard Condreau. Tout à fait. Bon, c'est début de gaucher, ça. Hein. C'est début pour lui. Hein. Gérard Condreau. Allez, quatrième boule pas à pleine de l'un. Elle va passer, hein. Ouais, mais c'est repris, je pense. Ça doit suffire malgré tout. Oui, ça doit suffire. Elle est un petit peu loin, la boule de Pascal, devant, quand même. Ouais, c'est suffisant. Bon. Légèrement derrière, mais on a la boule d'avance pour Annecy. On se pose la question si on défend au point ou au tir. Avec la force de frappe qu'on connaît sur Annecy, nous, on décide de pointer. Elle est derrière. Ça leur ouais, donne raison derrière, une fois. Si tu en remets une devant, après, tu peux aller encore défendre, même si tu prends pas. Mais elle est derrière et elle est bien à 60 quand même derrière. Oui, elle est prenable. Elle est prenable. Voilà, sans problème. Bravo ouais. Jérôme Benoît. Pour Jérôme. Alors, on est contraint de pointer, j'en ai bien peur parce que. On prend le risque de tirer malgré tout. Faut pas avoir le contre. Hein. Avec le tir de précision que nous fait Thierry Michel cet après-midi, on peut lui faire confiance. Thierry Michel, au tir. Et voilà. Bravo. Et il est en train un peu de les écœurer. Hein. Ouais, voilà, il est sur son petit nuage, il n'a pas les comptes, il fait les triages qu'il veut. Donc voilà, on n'hésite pas, on y va. C'est très bien tiré, une nouvelle fois, de la part de Thierry Michel. Applaudi par David Pirou. On commence à y croire un peu plus du côté de la plaine de l'Ain, évidemment avec le score qui en faveur de l'équipe d'Olivier Monceny. On fait un peu plus grise mine à Annecy, même si, vous le voyez, il reste largement du temps au coéquipier de Greg Schira pour reprendre les commandes de cette partie. Oui, rien n'est fait, hein. Ça joue boule à boule quand même. Donc, bon. Et carreau glissé là de Greg Schira. Sorti du terrain, juste à la limite. Ils vont contraindre la plaine de l'Ain à reprendre trois fois puisqu'ils ont trois boules de tir qui arrivent tout de suite après avec
Il reste une chez Greg et deux chez Jérémy Micou. Donc, allez, c'est la stratégie pour Annecy, c'est frapper jusqu'au bout. Gérard Condroux à nouveau. Alors qu'il y a un tir là de Romain Garcia dans la demi-finale. Ouais, bravo Romain Garcia. Alors, Jérémy Micou. Allez. Qui restait sur un échec à la main précédente, mais qui avait bien débuté, hein, Jérémy Micou. Et comme ses coéquipiers, ça a été un peu plus compliqué là depuis le début de cette deuxième heure de partie. Le voilà, Jérémy Micou. Allez, malheureux encore une fois, Jérémy Micou. Regardez Jérôme Benoît. Ça arrange encore pas les affaires d'Annecy. Non, comme la passe se déroule, là, c'est difficile. On va encore se poser la question. Ben oui, il va encore falloir y aller, quoi. Une boule dans chaque main. Il faut absolument faire jouer la plaine de l'un. Elle est encouragée par Pascal Persico, lui aussi, comme tout à l'heure, avec Mathieu Vercher, qui était dans une mauvaise passe. Eh bien, Jérémy Micou, lui, malgré tout son talent, lui aussi... un petit coup de moins bien, c'est normal. Hein. Sur deux jours de compétition, on peut pas toujours être au maximum. On va lui souhaiter de se reprendre ici. Et c'est repris bravo, tout de suite. Magnifique, il annule cette main. De belle manière, il s'est repris, Jérémy Micou. Tout à fait. Et on reste avec ce score de 5 à 4 pour la plaine de l'Ain face à Annecy dans cette demi-finale. Tout reste à faire, tout comme dans l'autre demi-finale, hein, où c'est très serré entre Lyon et Nice. Avantage pour l'instant pour Lyon, mais on le sent dans les attitudes. Pour Nice, pardon, mais on sent dans les attitudes. Les Niçois commencent un petit peu à se crisper. Ouais, et puis là, Romain Garcia vient de faire un trou. Alors je sais pas trop au niveau des boules où on en est dans le suivi des boules, mais j'ai l'impression que Nice n'a encore pas la marque sur cette main. Et que ça s'énerve un petit peu, ça se tend avec la pression et l'enjeu. Alors on a rejoint, hein, on reste dans la même zone. Hein. Non, on ne va pas prendre de risque là maintenant à 15 minutes de la fin. On reste où on maîtrise bien son jeu. Oui, tout à fait. Et c'est le cas de David Pirou. Donc on vient de mettre Annecy sous pression là avec le but attrapé par Jérémy Micou. Donc on continue et on insiste. On insiste. Mais là, les forces en présence se sont bien équilibrées par rapport au début où là c'était intouchable pour la plaine de l'Ain. Là, on sent que c'est un équilibre parfait qu'on a entre les deux équipes. Ah ouais, une petite baisse de régime du côté d'Annecy. Oui, ce qui fait que la plaine de l'Ain en profite. Pas toujours simple non plus, mais pour l'instant, on en profite. Avec David Pirou pour sa première boule qui me paraît pas mal. Ah oui. Ah oui, elle est belle celle-là. Et cette fois-ci, elle est devant. Et ça change tout. C'est Laurent Béraud qui doit être content quand il voit des boules comme ça. Greg Chira. Bravo Greg Chira. C'est frappé. Et deuxième boule pour David. Allez,
Il en a combien, Greg Chira? Là, moi, je suis rendu 11 sur 14, là, pour l'instant. 11 sur 14 pour Greg Chira. Et seconde boule pour David Pirou. Ça y est, il a réglé la jauge. Boule, ouais. Je ne sais pas si Lyon n'a pas repris l'avantage là. Ah oui, ah, on va alors, suivre où ça. Où il y a égalité, ou ouais, ils ont repris l'avantage, mais... Ah mais ça se voit sur les visages. C'est passé un truc là. Dans les attitudes là, on sent qu'il y a la sérénité du côté des oranges et même des bleus turquoises. Tout à fait. De Plaine de Lin, c'est deux équipes qui depuis deux étapes aussi sont souvent placées, donc elles ont peut-être moins de pression que Nice et Lyon et que Nice et Annecy qui jouent un peu plus gros sur cette étape. Ouais, tout à fait. Nice qui est à la recherche de sa première finale, hein, donc plusieurs échecs en demi, donc on aimerait bien aller chercher une finale. Et Annecy qui depuis sa première victoire à Mâcon, qui avait été magnifique, et bien est en, à la recherche d'une place en finale et d'une fait. Seconde victoire surtout. C'est ça. Place à Gérard Condreau. Allez, avance un peu, Gérard. Allez, on va aller la contester. Au jeu. Un court, il manque un petit tour. Et en effet, Nathalie, 9 à 8 pour Lyon face à Nice. Il semblait bien qu'il y a eu un petit coup de Trafalgar là sur la passe d'avant. 9 à 8 pour Lyon. 4, 5, 4 pour Plaine de Lin. Et là, il y a un... Petite casquette. Elle était ouais. Blessée simplement, oui, de la part de Sébastien Lévin-Marcon, alors que c'est repris pour Pascal Persico. Bravo, Pascal Persico. Super boule. Ah, ce mano à mano continue. On le voit entre David Pirou et Pascal Persico. Hein, c'est un régal. Alors, on va arriver dans les dernières 10 minutes. On essaiera de vous faire vivre à présent les deux demi-finales. On va essayer de switcher entre les deux terrains pour que vous puissiez être vraiment au courant de tout ce qui se passe dans ces deux parties décisives. On va d'abord suivre évidemment le tir de Thierry Michel. Voilà, c'est frappé. C'est frappé. À côté, on a la reprise. On avait eu une belle première boule de la part de l'accro, une petite lichette de Sébastien Lévin-Marcon. Et puis là, une reprise de Manu Billon. Légèrement derrière. Donc du coup, Fabien Hamard, il va les pointer. On voit le tir de Thierry Michel. Et c'est Pascal Persico qui va d'abord pointer. Et vu que Fabien Hamard se présente sur le jeu voisin, on va suivre Pascal Persico pour la reprise. Voilà, c'est sans problème. Également. Et on va suivre Fabien Hamard à présent. Également pour une reprise au point. On ne doit pas être loin d'avoir repris. Oh oui, oh oui. Magnifique cette reprise de Fabien Hamard. Et Thierry Michel, on lui demande beaucoup hein, depuis le début de cette demi-finale. Il a fait un super job. Et une nouvelle fois là, il faut absolument qu'il la sorte cette boule. Et il va la sortir. À nouveau frappé pour Thierry Michel qui doit être pas mal dans les moyennes aussi, ouais, je pense. Ça serait important ça de voir un peu les moyennes de Thierry Michel. Il est à 14 sur 18, mais c'est surtout ce but qui nous a attrapé à la quatrième, à la cinquième passe qui est très très important. Jérôme Benoît qui va prendre la suite. On va aller jouer du côté des oranges aussi dans quelques instants avec Eddy Chemarin. J'ai prévisé un petit peu, hein, même de 4 points pour la Motservolex. 6 à 6 désormais. C'est parti pour Jérôme Benoît. Et c'est repris. Et oui. C'est du mano à mano qui va craquer le premier. La boule est un peu loin de Gérard et un peu sur la droite finalement. Elle n'est pas spécialement au jeu, quoi.
Eddy Chemarin sur le jeu voisin. Vous l'avez à l'écran qui va pointer. On va d'abord faire jouer l'autre jeu. On va faire jouer Sébastien Dulac là, dans un match de classement entre, entre Joyeuse et Génicieux. Et voilà, c'est parti pour Eddy Chemarin pour une tentative de reprise pour Lyon. On accompagne et on prend aussi. Bravo. Allez, on va suivre Sébastien Mourgue. Ah oui. C'est frappé. Bravo Sébastien Mourgue. Toujours ce duel là entre Plaine de Lin magnifique et Annecy. On revoit ce tir, c'était parfaitement frappé. On va suivre le tir sur le jeu voisin de Romain Garcia. Après ce ralenti. Ouais. Et le tir le contre est... derrière. Mais depuis le départ, la boule de Manu Billon est un peu... était un peu derrière déjà sur le tir précédent de Sébastien Léva-Marcon. Elle avait un peu bougé et à nouveau là. Jérôme Benoît à la reprise. Est-ce qu'il va ça sera suffisant? Ouais, oui. Bravo Jérôme Benoît, il a réussi à reprendre. Il a eu peur je crois, il a bien couru derrière. À mon avis il s'est un petit peu vu faire un petit bisou à Gérard Condreau là. Manu Billon pour Nice sur le jeu voisin qui a lancé. Et qui va reprendre. Alors qu'on va partir au but, effectivement, avec Seb Mourgue. On n'a pas la marque, hein, de toute manière. Là. Et non, on a la boule de retard. Une petite boule de retard, mais celle-ci, elle peut coûter cher. Donc, on veut rester devant à la marque. Hein. 5 à 4, on le rappelle, pour la Plaine de Lin. C'est ça. Et pour l'instant, on est à 100% de réussite au but dans les annulations. Pour l'équipe de la Plaine de Lin, 3 sur 3. 3 sur 3, effectivement. Chacun a tiré son but. C'est la seconde fois que Sébastien Mourgue se rend à l'exercice, là. Il est important, celui-ci. Sébastien Mourgue pour annuler cette sixième mène et permettre à Plaine de Lin de conserver son petit point d'avance. C'est parti. Et non. Non, 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 non. La boule l'empêche d'attraper ouais, le but, malheureusement. C'est pour ça qu'ils se sont baissés précédemment pour voir si c'était bon ou pas et la boule n'était pas bonne devant. Non, non, on voit bien. Dommage. Et Gérard Condreau qui va aller jouer cette... dernière boule pour la Plaine de Lin. Il restera ensuite deux boules pour Annecy. Et une passe. Et c'est terminé entre Bron et Saint-Vulba. La victoire de Bron. Oui, tout à fait. Belle fin d'étape pour les Brondillans qui ont remporté leur dernier match de poule et qui s'imposent face à Saint-Vulba. Finaliste Saint-Vulba des deux premières étapes. Hein. Tout à fait. Déception, on imagine, du côté de l'équipe de Didana. On vient de voir passer Fred Marsan juste devant nous. Très très déçu. Ouh là là, puis alors là, pas de... cette boule n'est pas. C'est pas repris pour Gérard. Alors qui s'est fait siffler là? C'est Nicolas Belfaux. Oui, Nicolas. De la mode Servalex. Oui, tout à fait. Allez, on va suivre Romain Garcia pour Nice. Là aussi, c'est important. Romain Garcia. C'est manqué là pour Nice. Deux dernières boules à jouer pour Annecy. Il y aura une dernière mène qui va être explosive là dans quelques minutes entre Annecy et Plaine de Lin. Est-ce qu'on aura le temps de faire une nouvelle mène aussi du côté de Nice et de Lyon? Boule de match là pour Jérémy Micou, deux boules en main, 5 par terre. 5 à 5, deux boules pour Jérémy pour rajouter, peut-être passer devant. C'est pas évident hein, pour passer là. On l'a vu tout à l'heure avec Gérard Condreau. Ouais, mais là il s'est bien ouvert l'angle. Ah, c'est déjà réussi. Les voilà devant à la marque. Il n'a pas joué droit au boule. Hein. Ouais. C'est pas compliqué la vie, hein. Il s'est décalé. Et... Il a bien joué, il a bien réfléchi, c'est ouvert l'angle. Fait. Vous avez raison, Nathalie est là et il a donné toutes les chances possibles. 6 à 5 pour le moment pour Annecy avec ses deux points sur le jeu. On va retenir un troisième pour Annecy qui. Ferait une belle opération là avant la dernière mène en reprenant deux longueurs d'avance. C'est
c'est ça, elle est importante, la boule à Jérémy Micou, là, parce que 2 points d'avance juste avant d'attaquer la dernière main. Ça donne un peu plus de souffle. Et voilà, Jérémy Micou, boule importante Annecy. Pour Annecy. Est-ce que Annecy va faire plus 3 dans ça cette main? Bien parti. Ah oui, c'est bien parti. Plus 3 pour Annecy qui va reprendre l'avantage à l'issue de cette 6e main pour mener 7-5. On va rester, nous, sur également l'autre partie. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté entre Nice et Lyon? C'est Lyon qui a marqué encore. Ah oui, puisque c'est Xavier Majorel qui va lancer cette main. Alors, 7-5 pour Annecy face à Plaine de Lin. Et une dernière main de chaque côté à jouer. Oulala. 12-8 pour Lyon. Oui. Qui est en train de se détacher irrésistiblement là vers une nouvelle finale, vers une troisième finale consécutive. Ça va être compliqué quand même. Alors, à moins de passer complètement à côté de la main de la part de la Croix-Lyon, ça va être difficile quand même pour Nice. Ah, ils y croient pas, on les voit, ils sont un peu maudits, les Niçois. Ouais. Là, ils sont un peu désunis. Et chacun de son côté, on voit que peut-être le moment est passé. Et oui, ça fait rager deux week-ends de suite d'échapper à une finale alors qu'elle vous tend les bras. Ça serait une troisième demi-finale de perdu pour les Niçois, je crois d'ailleurs. Oui, qui avait été demi-finaliste à Mâcon et également à Chazelles-sur-Lyon. Oui, alors Chazelles, on se rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens bien. Le but de gagne, tiré par Romain Garcia qui est frappé mais qui ne sort pas. Et du coup, c'est. C'est Lyon qui se retrouve en... C'est Lyon qui se retrouve en finale, finalement, au lieu de Nice. Allez, on va voir ça avec Thierry Michel. Est-ce que le tir est validé? Oui, sans problème. J'ai cru voir la bandelette. Des fois, la bandelette, elle saute un petit peu avec le sable, le sable qui gicle à l'impact de la boule. On revoit, justement, Thierry Michel... En plus, la bandelette, ils la mettent pas. Alors, ils la mettent pour qu'on voit mieux aux caméras, mais elle est à 51. Elle n'est pas exactement sur la ligne. Donc, Pascal Persico, Annecy a les clés en main pour aller jouer une deuxième finale d'affilée et peut-être retrouver Lyon, qui apparemment est en bonne position, mais. Dans ces duels entre Nice et Lyon, exactement. On va pas s'avancer. Rien n'est jamais terminé. On va pas s'avancer. Hein. On sait qu'il peut se passer plein de choses dans des dernières mains. Pascal Persico. Tout à fait. Alors j'ai pas vu le but. Ouais, il est. On a vu. Ça va laisser une petite place à David Pirou. Lyon qui était mené 0-6 il me semble. 0-6 oui. Je crois bien. À un moment donné. Et qui est revenu. Ouais, ils ont fait rentrer Fabien Hamar, ils n'ont pas hésité et il a apporté le jeu qu'il fallait dans cette demi-finale. Voilà, c'est terminé pour le temps réglementaire. On va aller au bout évidemment de ces mains. Et on en jouera une supplémentaire si besoin. Parce que David Pirou, voilà, très belle reprise de David Pirou. Parfaite reprise, de David Pirou. Sans problème. Greg Chira. Il a poussé un petit peu le but, donc du coup il déclasse encore un peu la boule de Pascal Persico devant. Alors évidemment, Annecy maintenant là va avoir besoin de ses tireurs pour conserver ses 2 points d'avance. Greg Chira en premier. D'ailleurs, je pense que tout le monde va avoir besoin de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo Greg Chira. C'est frappé tout en douceur, mais c'est frappé. Sur le terrain voisin, Xavier Majorel aussi a frappé. On défend bien ses 4 points d'avance pour l'instant. Lyon
ne faiblit pas dans cette dernière main. Lagneux qui vient d'égaliser à 10 partout face à la mode Servolex. On va jouer une main supplémentaire. David Pirou. Pour l'instant, vous le voyez dans les parties de classement, Fontaine et Bon ont empoché 2 points supplémentaires. C'est un nouveau repris pour David. Et David Pirou a repris le point. Boule encore devant, on va renvoyer Grégory Chira. On se pose pas de questions. Greg Chira, peut-être sa dernière boule dans cette demi-finale. Ah. Voilà. Ah, il y a eu un petit fait de jeu là. C'est nice, terminé, là, ouais. Effectivement. Ouais, c'est terminé. Manu a dit on serre la main, les autres ont dit bah non, attends. Ah, malheureusement, je crois que sous l'effet, la déception étant là, ouais. On a eu un rappel à l'ordre de l'arbitre sur un pied de position sur Manu Billon qui n'était pas dans le cadre et ça. Ça suffit pour. Et c'est terminé pour Nice donc qui va s'incliner à nouveau dans une demi-finale, troisième demi-finale de perdu pour les Niçois qui n'arrivent pas pour l'instant à franchir ce cap. Mais s'ils continuent à jouer comme ça, ils auront c'est sûr l'occasion d'aller chercher une finale d'ici cette fin d'édition 2024. Il va rester 5 étapes. Hein. On a eu le tirage au sort justement d'ailleurs de l'étape numéro 6. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais vous voyez, regardez, c'est terminé. Ouais, Manu Billon qui serre la main. Oui, il est déçu parce que je suis pas sûr qu'il ait fait exprès en plus. Et bon, voilà, il n'était pas dans le cadre, Hein. Et c'est terminé donc pour Nice. Pour l'instant, rien n'est perdu pour Plaine de Lin, même si Annecy est bien engagée dans cette demi-finale. Après cette sixième main hein, qui a été importante, on est à la septième. Tout à fait, mais bon, on est 5 boules à 3 hein, quand même pour ouais. Plaine de Lin. Donc, on peut peut-être tenter 2 points et refaire une main derrière si on n'a pas la possibilité de faire autrement. D'où l'importance de cette boule-là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est court, Gérard. Ouais, il est court, Gérard. Est-ce qu'il a pris Je ne vois pas l'écran. Non, malheureusement. Non. Attention, on avait la boule d'avance à la Plaine de Lin. On vient de la perdre, hein, malheureusement. Dommage, parce qu'elle n'est pas si près que ça, en plus, la boule de Pascal Persico. Eh oui, là, effectivement, ouais. Pascal Persico. On a largement la place. Après, ça arrive de manquer des boules, mais à ce moment du jeu, c'est... Gérard Condreau. Allez, Gérard, pour sa seconde, là, il va essayer de rectifier rapidement parce que il est temps encore. Ils ont là. Suite, hein. Eh oui. Ah, elle est envoyée plus vive, celle-ci, déjà. Ah, voilà. Bien, bien mieux. Parce que finalement, Annecy se retrouvait presque au but. Et puis, le fait d'avoir manqué cette boule. Alors, ça discute entre Gérard Condreau et Sébastien Bourg. On va prendre son temps, Jérôme Benoît. Ouais, c'est voilà, super. C'est frappé. Bravo, Jérôme Benoît. Et Nice va perdre du terrain hein, sur Lyon et peut-être sur Annecy ou Plaine de Lin. C'est évidemment pas une bonne opération. Hein, au classement, on le disait, ils avaient déjà quand même pas mal de retard. Ce retard qui va sans doute s'accroître. Allez, ça va aller jusqu'au finish. Là, on est trois boules. Trois boules pour la Plaine de Lin contre deux pour Annecy. C'est ça. Donc là, suite au fait de jeu de Nice, hein, on voit les joueurs de Nice très énervés, notamment Sébastien Léva-Marcon. Et c'est Fabien Hamard, hein, sélectionneur de l'équipe de France. Hein. Sébastien Léva-Marcon est en équipe de France, donc il lui dit « Allez, calme-toi, c'est pas grave ».
Bastien Mourgue, magnifique boule. Allez, c'est repris. Allez, c'est repris, deux boules pour deux. Alors, évidemment, là, le tir de Jérémy Micou est très important, là. Deux boules, celui-là, il vaut cher. Il vaut cher pour Annecy, c'est quasiment une place en finale hein, pour les Hauts-Savoyards. Taper deux fois, c'est gagné pour lui. Jérémy Micou, on va suivre ce tir. Ouais, bravo super. Jérémy Micou. C'est frappé une fois, il faudra frapper une deuxième fois. Il faudra y aller une deuxième fois, effectivement. Exactement. Nathalie. Il reste encore deux boules à la plaine de l'un. Alors, avant-dernière boule pour la plaine de l'Ain. Et la dernière boule restant entre les mains de Jérôme Benoît. De Jérémy Micou, ouais, qui Micou, d'ailleurs est en train de se concentrer. Vous n'avez pas l'image forcément, mais il est déjà dans son dernier coup. Il sait qu'il va avoir peut-être la balle de la qualif à jouer. C'est parti pour Sébastien. Est-ce qu'il va reprendre? Il est court. C'est manqué, c'est perdu malheureusement. Ah, il reste une boule, une pour une. Le point par terre pour Annecy. Même si la plaine de l'Ain reprend, il va leur manquer. Il faut rentrer à deux et rentrer. Thierry Michel, il va essayer de pointer pour rentrer à deux, mais c'est très très compliqué. Il est capable, hein. Oui, il est capable, mais il ne faut pas non plus lui faire trop à cette boule. Après, c'est le coup de la dernière chance, donc il va falloir. Ouais, mais je pense que Sébastien, c'est ce qu'il voulait faire. Et il s'est un petit peu manqué, la boule est remontée sur la gauche. Et on va voir s'il réalise ce miracle, un nouveau miracle. En tout cas, il a envoyé pour. Je ne sais pas s'il va toucher quelque chose, mais en tout cas, il a envoyé pour. Il ne touchera pas. Mais il ne touchera rien. Et la victoire d'Annecy qui se qualifie pour cette finale. Ce sera Annecy-Lyon à 18h, donc en direct sur l'application Sport en France pour le dénouement de cette étape avec encore deux belles demi-finales qui ont été à suspense, mais qui ont vu finalement la victoire d'Annecy sur le leader du général et de Lyon à nouveau qui va disputer sa troisième finale d'affilée. Ce sera donc face à Annecy après avoir battu Nice. Merci beaucoup Jean-Claude Ferriol, vous nous avez accompagné pendant tout le week-end, vous nous avez régalé par votre expertise. On a pris beaucoup de plaisir. Ouais, c'est moi qui vous remercie, c'est du bonheur d'être à côté de vous, à côté de Nathalie. J'apprends tous les jours et je suis ravi. Merci beaucoup. Et ça tombe bien parce qu'on va se retrouver très bientôt. Ce sera à la fin du mois d'avril du côté de Cavalaire-sur-Mer. On sera tous les trois très bronzés. On en profitera pour soigner d'ailleurs notre teint. Merci Jean-Claude Ferriol. Et on se retrouve évidemment à Cavalaire-sur-Mer. Remercie également toutes les équipes d'Anis Production autour d'Hervé Croza qui nous ont régalé avec toutes ces belles images. Et nous avec Nathalie, on se retrouve à partir de 18h sur Sport en France en direct sur l'application pour une finale magnifique entre Annecy et Lyon. À tout à l'heure. À tout à l'heure.